Nous dit tout le monde bonsoir, puis l'information nous a gagné pour nous développer pour après-midi dans journal ça. Toujours pas gagné information qui sorti dans le palais national concernant diverses consultations président a fait. Trois semaines après événement, yo, pour connaître est-ce que il choisit un premier ministre qui est lié. Cependant, gagné organisation opposition qui fait connaître série consultation ça yo qui a fait non pas regarder opposition parce que il pas résoudre problème non et ça sénateur Nenel Kassi fait connaître et député Jean-Robert Bossé fait connaître consultation ça qui a fait non pas national pas bay aucun résultat si président Joseph Moïse pas accepté pour faire un compromis politique. Et même secteur démocratique et populaire fait qu'on ait appuyé mot d'ordre grève plusieurs organisations lancées pour lundi qui a venu là d'après sa sénateur Nenel Kassi fait qu'on ait dit que il a appuyé tout mouvement qui est capable capoter Jovenel Moïse sous pouvoir. Et nous jeune tout CNOA qui sont syndicats ouvriers qui travaillent dans factorio et Dominique Saint-Éloi qui à la tête syndicat ça appuyé tout mouvement levé campé là de mot d'ordre grève qui lancé lundi à cependant et d'après ça nous constater et bon côté quelques syndicats et chauffeurs et tant coup APCA changé MEU avec l'autre syndicat chauffeur encore tant coup MUT et qui t'ai parlé avec nous Jacques Anderson de Roche yo fait connait que yo pas de contacter yo dans quatre grèves en parlant de organisation qui a organisé grève là lundi qui a venu là. Directrice exécutive Fondation J'éclairé, madame Marie-Yolaine Gilles, dénoncé commissaire gouvernement Port-au-Prince, met Octam Clamé-Dameus, qui a arrêté 64 citoyens et citoyennes, sans que le pas de barré, il dit que il était impliqué dans PI business, qui était fait dans l'occasion événement 6, 7, 8 juillet qui s'est passé là. Militante Douamounan, qui t'a répondu à question, et Radio Kiskeya a demandé chef parquet pour libérer sans aucune condition, moun sa yo que le mal arrêté. Qui opinion simple citoyen tant que marchand qui a vendre dans marché jodian aller dans canapé vert sous crise politique ça qui a souqué pays a yo rend élite économique à classe politique là responsable la vie chère grand goût ak chômage puis fort population a vivre là-dedans. L'actualité internationale là tout un symbole un cardinal américain qui obligé démissionner en bas accusation et abus sexuel et cardinal Théodore McCarrick présenté démission by pape François qui accepté. Afghanistan au moins 3 monde qui mouri dans attaque qui fait contre l'école sage femme et plusieurs élections dans le monde gain élection qui fait dans pays et Pakistan côté que opposition pas accepté résultat. Mais tout demain, il y a une élection dans le pays Mali, en Afrique de l'Ouest, qui est en bas gros menace d'addition. Côté président qui sous pouvoir, qui sont alliés la France, à battre pour le jeune un deuxième mandat. Opposition déjà dénoncée, et magouille, dans façon liste électorale lui offerte. Et puis, pays Cambodge, demain, qui prend direction dictature, un premier ministre qui l'a depuis 30 ans, dans tête, un pays à nous, en Asie, et n'a pas retourné encore sur le continent africain, avec une élection qui n'a pas qu'à importance, qui pourrait le faire dans l'Afrique australe là, c'est lundi, Zimbabwe, pour la première fois depuis l'indépendance pays ça, une activité, comme ça, on a parlé de élection, a fait sans que Robert Mugabe, pas présent, puisque il était obligé de remettre pouvoir. Et nous capables de dire, Zimbabwe, je ne veux dire, non, gros cafou, pour qu'on ait, est-ce que population peut continuer avec ancien allié Robert Mugabe qui dans coup d'état prend pouvoir ou bien est-ce qu'il a changé avec un jeune candidat qui a à peine 40 ans un avocat qui symbolisait jeunesse zimbabwéenne. Et puis désormais au monde qui a arrêté la Kaili il fabriquait une arme 3D la Kaili qui bon dans pays États-Unis. C'est ça moyen au pays déjà nous connaît chaque citoyen selon constitution gain droit à exam et nous est tout ça ravage exam ça y a fait dans fusillade yo et puis Californie n'a tout été dans pays États-Unis qui a ravagé en bayou du feu et selon scientifique yo genre de phénomène ça yo sécheresse qui la cause du feu dans forêt qui a ravagé ville yo yo gain à revoir à réchauffement climatique. Et puis continent européen, mais très loin, même tout continent africain, allez bien loin, en bas, en canicule.
Invité journal 4 après-midi, c'est historien Pierre Buteau, Pierrot sous 103e anniversaire, premier débarquement de l'armée américaine dans le pays d'Haïti. C'était 28 juillet 1915, dans le commencement 20e siècle. C'est information ça yo avec un pilote. Nous allons pour nous développer pour après-midi dans le journal ça. D'abord, on a rappelé date aujourd'hui à qui date lié. C'est 28 juillet 1918. Ça fait 103 ans depuis que l'armée américaine est débarquée dans le pays d'Haïti. C'était commencement dans le 20e siècle pour venir occuper le pays. C'était 1915 pour arriver 1934. Et c'est dans ça tout l'état pour aller quitter l'armée d'Haïti, qui pas même acclamé qui était banon indépendance. Non, parce que pendant tout 19e siècle, le pays a été fait face à un paquet de problèmes. Et côté, au fur et à mesure, nous avons avancé, eh bien, l'idée, l'armée, ça même, l'armée qui était banon indépendance, il a désintégré. Et côté tout, il y a un paquet de batailles en divers dirigeants qui étaient gagnés pour te prendre direction pays. C'est à la fois un paquet d'événements fomentés et puis avec appui de groupes dans des pays même qui t'apprend le bail américain occasion et dans cadre politique qui était fait qui était relé la politique de Monroe l'Amérique aux Américains contre européens qui était colonisé occupé zone et t'app metté dehors et c'est comme ça pas seulement Haïti mais tout dans le continent américain États-Unis t'apprend occuper une série de pays et il était venu occuper pays d'Haïti était occupé tout République dominicaine et même Jean Nicaragua plusieurs autres pays et Guatemala tout pays ça yo et donc occupation et il était faite avec résistance intellectuelle en haïtien yo te mené en bataille la presse dans période ça paysan haïtien yo te gen massacre qui te fait de leader te émerger dans période là et tant coup Benoît Bataville avec Charlemagne Peyrade yo t'a pral payer très cher pour résistance que yo te offri devant occupant yankee yo. Mais qui te gen allié tout en dedans pays ya, c'est ça fait dit même si en 1934 américain yo allé mais structure te quitté allié que gen sous terrain fait que finalement yo pa jam allé vraiment et 60 ans après nous connait t'a retourner en 1994 après coup d'état qui t'est fait en 1991 qui t'est renversé Jean-Bertrand Aristide qui était sorti dans élection démocratique et depuis ça nous connaît depuis avant même et généralement en question économique pays et c'est américain qui dominait la vie politique dans pays d'Haïti à un point tel que et un dirigeant politique qui pas marié directement dans pied table américain gain problème et si que dit arrivé dans tête pouvoir il faut qu'il fait allégeance et si c'est pas ça là très difficile pour le diriger même là en apparence américain rien doit pas là tant qu'au dans dernier épisode côté ces ministres est venu mais pas oublier il était débarqué après événement 2004 yo et en plus de ça la France t'es débarqué tout ensemble avec yo dans période ça des événements que en pile monde qui t'ai vécu période longtemps qui t'ai l'histoire pas de quoi qui t'est possible yo t'ai retiré quoi et puis après ça yo remplacé par Minusta et qui t'est plus semblé une division de travail à certains pays dans Amérique latine là et bref Minusta c'est vrai officiellement l'aller mais toujours un mini juste qui là ça veut dire que Haïti pas autonome pas gen l'autre pays qui gen autonomie dans région qui gen anken mission Nations Unies qui la kayo qui a occupé qu'a voyagé sous ça y a fait mais nous connaît que bon c'est pas préoccupation moun qui a dirigé directement ou bien moun qui a appuyé dirigeant en Haïti et parce que ça qui important c'est fait d'appuyer quand et kembe pouvoir donc c'est bataille ça qu'a mené même là que moun qui occupé pouvoir yo et pas rempli condition et ni yo pas capable pour yo livrer marchandise non on a dit que et pour prendre responsabilité yo et pour faire face à situation population mais plutôt nous l'aide nous là c'est devise hein? Donc occuper pays j'avais genre d'événement se passer là trois semaines et qui ses conséquences toute inconséquence toute politique abandon trahison coup de poing dans dos de bay peuple haïtien hein? Certainement c'est deux événements qui retourner n'importe qui là et parce que son peuple qui abandonné dans toute Amérique là
c'est seul pays majorité population marginalisée. Bah j'aime moins ça là pour un cahier marginal les plus petits sous côté là. Donc page pour écrire normal là il est pilage. Eh bien nous même c'est marginal qui place cahier. Elle dit monde qui marginalisé est plus plus dans pays là et puis l'autre monde soi-disant qui t'a dans normal lui même c'est eux sous côté. Elle dit que majorité population sont population qui marginalisée dans propre pays. Et puisque politique qui est appliquée, son politique exclusion, bois long, côté pagé, un système éducation qui a fait justice sociale, côté tout le monde al nan même l'école, y a même chance pour émerger ensemble, et c'est mesi pour on mesi on gao. Y a l'école pour grenègue, y a l'école pour classe moyenne, et y a l'école pour masse pep qui la gué. Et toute l'école, ça n'a pas qu'un contrôle l'État. Même si, nous avons dit de temps en temps, un ministre qui a une bonne volonté, mais le ministre eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas qu'à faire, ils n'ont pas qu'à avoir un système. Non. Pas gagner un système de santé publique, ils ont une santé publique avec la population. Pas gagner aucune surveillance qui a mené, ni sous ça ici à manger. Un pays qui est livré à importation. Ils ont un pays à manger toute qualité de bagage. Ils ont fait toute qualité de test sous peuple haïtien qui sont cobayes, ils n'ont pas gagné aucun monde qui a surveillé. Il n'y a pas de ministère commerce qui a contrôlé rien. Il n'y a pas de ministère agriculture qui a contrôlé aucun produit agricole qui a entré dans le pays, qui a vu détruire propre agriculture panne. Nous n'y a pas de bagage qui a fonctionné. Nous n'y a pas de parlement qui a fait contrôle sur le gouvernement. Nous n'y a pas de parlement qui a fait de loi progressiste pour protection sociale et pour sécurité sociale générale, pour garantir que le peuple haïtien, au moins, li gen un plat manger pour manger un petit bébé qui fait fête rive jusqu'à 6 ans di boilette yo connait nan ki l'école l'aller ça qui gen 6 ans pour rive 15 ans yo connait ki côté lié nan ki l'école li pare moun ki a occupé de bagay comme ça donc c'est ça son pays qui lagué et sous compte bon dieu peuple là elle pas capable li vendre tout ça gagner et li enfer jeter tête li prend l'argent sol li obligé entrer dans maron et puis jeter colle soit jambé frontière ou bien jambé l'en mer pour aller dans l'autre pays et là li rivé li dans bas front société ça li wè c'est dans trois générations peut-être qui apparaître pour reconnaître li comme moun côté l'aller li pas konn langue li pas konn culture pays a et puis l'obligé à travailler pour vous payer comme li te prêté pour le voyager donc c'est ça qui histoire peuple ça et pourtant qui sont peuple vaillant sorti dans une histoire singulière pas aucun peuple sur la terre qui écrit page histoire ça dans l'humanité pas aucun monde dans zone n'a jamais écrit une histoire comme ça et je dis faire nous connaître nous-mêmes qui pis mal et nous accepter le faire intégrer alors que nous sommes peuple qui fait une révolution une plus grande révolution qui gagne dans l'humanité nous casser chaîne esclavage et bien voilà en résumé c'est ça. Donc occupation américaine là nous te prendre dans commencement 20e siècle là après que colon français nous connait ça le fait nous te mettre dehors mais on après les jeunes monde dans élite là qui négocier pour faire paysan yo travail la terre pour bayo et produits agricoles pour capable payer la France pour reconnaître ou indépendance que ancêtre nous te couler sang pour nous te prendre. Et puis après nous connait tout ravage qui fait yo et puis mes côté nous hier journée jeudi dans commencement 21e siècle là yo dit nous c'est ti lundi pays qui pi mal dans région qui après les yogan puis devant on a venu avec président société haïtienne histoire géographie historien Pierre Obito qui a fait un gros travail dans question mémoire dans pays et sous date ça yo sous ça Haïti bataille Haïti mené c'est bien n'a gagné comme invité et sous date ça 103e anniversaire depuis que l'occupation américaine a commencé dans le pays d'Haïti, c'était 28 juillet 1915. Mais on vient dans l'actualité, nous connaissons qui pas belle. Et si nous avons tendance pour nous briller, nous voyons ça qui se passe. Et bien que des gens qui, parce que yo ouais situation pas refroidie, bon, yo même pensé que yo gen temps. Il y a tant devant eux, il doit faire ça, vous voulez, rouler le peuple dans la farine, bal menti, continuer à faire même bagaille, et puis il y a prend tant qu'il faut et pour le nommer Premier ministre. Alors que tout le monde connaît ça, son mensonge, parce que prendre tant qu'il faut pour nommer Premier ministre, ça, c'est pas nommer, non, cadre bien déterminé, ça pas foutu pour aucune solution. Parce que pas qu'à nommer Premier ministre classique, là. Pour nommer, il faut qu'on entende politique. Minimum, c'est seule garantie. Si pas qu'on entente sous qui programme Premier ministre après, et pas Premier ministre président lié,
son premier ministre de conjoncture, parce que gagné une rupture qui fête 6, 7, 8 juillet concernant programme et présence président ça dans tête pays. Si vous pas comprendre ça comme ça, bon, n'a pas gardé. Parce que c'est ça lié. Et c'est lecture ça qui vous permet que vous êtes capable de jouer, ni possible, même les grands partis de l'opposition qui disent que le président allait, il est capable possible pour le président d'arrêter, faire une ferme d'al et tranquillement. Mais il faut intelligence politique. Là, il n'y a pas j'entends de tout le porte-parole qui a parlé avec même arrogance. Non. Donc, il faut que tu comprennes ce qui passe. Et une lecture et saine, S-A-I-N-E, de ce qui passe. Et négocier un plan politique comme ça doit avec des secteurs vitaux dans la vie politique pays pour avoir un nouveau gouvernement, un gouvernement de conjoncture avec une feuille de route. Mais si son premier ministre classique avec un gouvernement vent mené de l'obote, eh bien nous mettons. Alors ça les consultations président Jovenel Moïse dit l'a fait depuis plusieurs jours selon journal Nouvelliste, t'a supposé fini dans week-end ça à partir de lundi pour Pitamadi t'a supposé en mesure pour nommer un nouveau premier ministre. Mais il y a des partis dans l'opposition qui dit ça pas regarder yo à faire ça qu'a fait dans palais national. Et question nomination premier ministre, c'est pas ça qui a résoudre le problème. Non, et c'est vérité, c'est Jean fait là. Et déclaration ça pour tes signatures, sénateur Nip, non, Nel Kassi, nous connaît qui mettait poste Lyon sous tableau pour démissionner et lui encourager tout sénateur et député faire même Jean avec. Pour alors, si prêt pour démissionner, si on tout a démissionné, il va démissionner, non? Pour tout a démissionné en bloc parce que yo échoué. C'est ça, il te dit avant hier. Nous interviewons le Radio Kiskeya, parlementaire. Qui c'est un dirigeant, yon bloc dans l'opposition que les secteurs démocratiques et populaires, fait qu'on est population attend une solution d'après lui-même définitif, non pas qu'on a définitif tout sénateur Kassi, parce que problème n'est tellement gonnet, tellement gomain, et c'est des étapes importantes qui doivent montrer des volonté et vision pour soulager le peuple. Parce que le problème est tellement accumulé, nous pas qu'à le peuple menti que y a besoin d'une solution définitive, je dis à une baguette magique, c'est pas vrai. Mais c'est volonté à pour loin. Si loin volonté à son peuple qui a patience, Captain. Alors, il dit que pour lui-même, seule solution qui a, c'est Jovenel Moïse qui doit aller. Et il dit peuple Captain une solution définitive et avec réalisation une conférence nationale souveraine. Là, nous connaissons tout, pas gain entente dans tout un segment dans la société haïtienne sous question conférence nationale. Là. Si il y a des gens qui d'accord à dialogue, si il y a des gens qui croient fort gonchita, mais tout le monde pas d'accord, même dans la conférence nationale là s'ouvrir, faire une série de secteurs tiqués. N'attendez, sénateur Nenel Kassi qui t'a parlé comme ça dans micro et dans le guerrier. Nous pas porter attention avec consultation que monsieur Jovenel a fait dans la conférence nationale et que peuple a d'attend considérer comme un bluff et ça veut dire un contrat avec grand monde. Et qui c'est des symptômes, le pays a créé, a pris compte, et que Jovenel n'est pas capable de voter rien pour la nation, et qui continue à défiler devant Jovenel. Et nous-mêmes, de l'opposition, on dit haut et fort, nous n'avons pas quoi dans notre solution qu'à passer pour un premier ministre. Parce que dans le moment qui est allé là, la situation est dépassée de cadeau niveau ça. Jovenel est toujours joué le rôle de l'opposition. Il nous permet que l'échec Premier ministre, gouvernement, c'est échec Jovenel. Sénateur, par rapport à la nécessité vous gagner un gouvernement qui est stable, par rapport à risque qui gagne pour le pays à ta grande explosion sociale, qui ensemble défi, selon vous, ou identifié, qui attend un nouveau gouvernement qui doit venir? Bon, moi, je ne sais pas quoi nécessité par rapport à la population. La population, elle attend une solution définitive. Ça permet que les ministres jeunes et puis il n'y a pas de bonne paquet pour dire moi avec eux. Population attend tout. Et qu'il y a des solutions claires qui viennent venir, à savoir question chômage, question misère, question problème logement, problème de l'eau, problème route, problème électricité, problème sécurité et problème stabilité politique. C'est ça la population attend. Pour parler d'une solution durable, qui ça, solution durable, ça y est? Même j'ai en pile. Il y a un moment de la durée, là où est toute initiative individuelle, on fait appel à une démarche collective. Ça veut dire la conférence nationale souveraine, ou bien on chita parler avec un acteur et
nous avons réfléchi ensemble. Nous chita avec un pile secteur déjà. Yo marché dans logique pour bien chita parler national. Yo comprennent ça, nous capables de définir des grandes orientations par pays pendant 30 ans, pendant 50 ans. Et pour lui dire ça, nous croyons aujourd'hui, le départ des Jovenel est important. Pas le départ des Jovenel fait place avec un groupe net pour venir régler l'affaire par eux, mais le départ des Jovenel qui permet qu'il y ait une équipe compétente, honnête, et qui remet pays qui prend contrôle l'État et qui prend lancer sa réforme d'État qui a passé par une nouvelle constitution à travers la conférence nationale. Là. Et à partir de ce moment, après un ensemble de dispositions qui prend et pour résoudre des problèmes pressants à très court terme et à moyen terme, pendant ce temps, opération pour sauver Haïti et qui peut-être a duré 3 ans bien 4 ans, on a travaillé avec Kazek, Mirio, et puis c'est des administrations qui n'ont pas qu'à quitter les vacances. Ça veut dire de toute façon qu'il y a des gens qui attendent. Parlement n'a pas campé sous lui parce que immédiatement après la nouvelle constitution, après l'opération pour sauver Haïti, ça a gagné l'élection générale pour tout poste et à pouvoir, et que le président, que le sénateur, que le député, ça a gagné l'élection pour eux. Il n'a pas profité de la période ça pour faire l'élection pour Kazek. Et suivant la constitution, la nouvelle constitution qui n'a rien à définir. C'est Antoine Nenel Kassi, sous consultation avec qui genre et Bloc Lila Donnan, qui c'est secteur démocratique et populaire, ouais, situation et d'ab vivre quoi Lila. Député Jean-Robert Bossé, qui n'a opposition tout dans la chambre députée, fait qu'on est consultation qui a fait dans le palais national, pas bien qu'un résultat si le président Jovenel Moïse pas accepté faire compromis politique qui nécessaire. Et dans l'interview de Radio Kiske à Jeune Jodia, le parlementaire a déclaré si le président voulait sauver le reste mandat là, il faut qu'il choisisse un premier ministre qui a une compétence et quitter le diriger comme ça doit. N'a pas coûté député à Jean-Robert Bossé, qui était parlé comme ça dans le micro Robinson. Moi, Robinson, auditeur, auditrice Radio Kiskeya, que négociation ça, pour parler qui gagne, il n'y a pas de solution à la crise grave que nous vivons aujourd'hui. Hein, parce que le problème, non, c'est vrai que M. Guy Lafontaine, c'était un premier ministre incompétent, irresponsable, qui n'est pas capable d'administrer le quotidien peuple haïtien. Hein. Mais en même temps, le véritable problème, ce n'est pas un problème de gouvernement, quel que soit mon compétent qu'on ait gagné, un premier ministre qui est compétent. Mais si M. Jovenel Moïse n'a pas le gouvernement toute la latitude pour agir, pour faire fonctionner l'administration, l'État, moi, je pensais que pas de bien résultat non plus. Tôt. Donc, je dis, moi, je dis déjà que pour autoriser le choix d'un premier ministre, si M. Jovenel Moïse encore n'a pas l'air, et s'il décidait vraiment faire les compromis qu'il faut pour assurer que le reste mandat là est capable de terminer, lui, c'est à faire appel à un homme ou bien une femme compétent, honnête, intègre, sérieux, qui est capable de prendre des signes de païsien et que pour M. Jovenel Moïse, nous accord politique très clair à engager pour quitter le gouvernement gouverné et rester dans la fonction de président que lié dans le palais national. Là. Donc, mais si ce n'est pas ça, et tout parler en pile ça au capitaine là, ce n'est pas pour adresser les véritables problèmes de païsien, revendication qui est dans la rue, c'est peut-être pour faire passer le temps et arriver imposer à PIA un autre incompétent, irresponsable, corrompu, comme Jean-Guy Lafontaine. Oui, c'est député Jean-Robert Bossé qui fait partie de groupe ça, qui est très minoritaire dans la chambre députée avec l'opposition, et qui tape à répondre à la question Robinson Henry et sous situation politique pays. Sous grève que plusieurs organisations qui sont opposition ont lancé dans le cadre de mobilisation pour voyer Jovenel Moïse aller, et secteur démocratique et populaire qui se bloque politique par sénateur Nenel Kassian dit lui appuyer mot d'ordre grève ça pour lundi. Sénateur Kassi fait connaître opposition là-dedans appuyer toute initiative qui visait capoter régime et tête calé numéro 2 à qui sous pouvoir pour permettre pays à ralon souffle. N'attendez sénateur Nenel Kassi toujours dans micro Renal Guerrier. Nous-mêmes, au niveau secteur démocratique, nous croyons. Nous disons que depuis l'événement 6-7, 8 juillet, son pays n'est pas dirigé. Parce que ça a dit non avec l'État. Ça met tout le monde dans la nation. C'est une initiative qui est encouragée dans certains sens. L'autre, par exemple, des syndicats,
rassembler des organisations et après lancer des grèves pour dire non à régime ça. Nous, même de l'opposition, que tout le monde prend position, nous déjà, nous pas qu'à dire que des massaïs nous font ça. Même gens, nous parlons par exemple, l'organisation de droits humains, de lancer des marches et pour permettre que nous exprimer ça qui fait mal par rapport avec mon état à ce pouvoir acheter. Parce que toute initiative, ça, faut encourager tout dans la mesure de viser le départ et des équipes au pouvoir pour faire face à la vie et des pays à son règne de développement. Donc, n'a pas pillé grève lundi. L'important pour nous, tout projet qui visait pour chavirer l'équipe qui l'a et pour faire place avec l'autre projet de société, ça passe par une nouvelle constitution et avec la population nationale souveraine. Qui va permettre de répondre avec un ensemble de défis. Par exemple, question logement, question route, question électricité, question de l'eau, question soins de santé, question l'école, question augmentation pour officiers l'école. Et conditions de travail, ouvrier, ça aussi des bagages qui fait partie des préoccupations. Nous. Et nous étions quoi pour nous vivre avec ça, pour qu'il y ait une entente nationale et équipe qui va échouer dans une tentative d'un état généraux sectoriel que tout le monde voudrait. Tout le monde, les cadeaux qui ont personnalité dans un pays, le bout de question, ça, il doit être un sursaut national, il doit être un sursaut collectif, et c'est dans ce sens-là, toute initiative, quelques grèves, quelques marches, quelques manifestations, quelques sittings, quel que soit ça, l'IA, nous pensons que nous-mêmes, nous avons intérêt à encourager. Voilà, sénateur Nenel Kassi, sous mode de grève pour lundi, le coordonnateur national CNOA, syndicat, et ouvrier Dominique Saint-Éloi, qui m'a dit tout ouvrier, chauffeur et passager dans tout le pays arrêté la caillou pour observer le mode de grève général qui lancé pour lundi 30 juillet qui a venu là. Nous interviewons par Radio Kiskeya, syndicaliste mandé, population levée, campée, pour capoter le système ça qui pourri. Et Dominique Saint-Éloi déclaré président Jovenel Moïse échoué dans toute salle entreprendre depuis l'arrivée dans tête pays. N'attendez syndicalistan qui c'est coordonnateur national CNOA et qui a dirigé un syndicat grand pile m'amené qui dans parc industriel là dans son api qui travaille dans factory et Dominique Saint-Éloi qui te parle comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoui. Nous dit avec chaque ouvrier, nous dit ça avec marchand yo, nous dit ça chauffeur moto yo, chauffeur autobus yo, chauffeur camion yo dans quatre coins pays ya, pour rete la caillo pa gen machine et nous mandé pour yo pote coller pour réussir journée grève ça parce que grève ça li nan intérêt ouvrier yo k'ap mandé 1000 goud pour salaire minimum nan. Li nan intérêt agent de sécurité yo, li nan intérêt ti marchand yo, li nan intérêt moun quartier populaire yo, li nan intérêt paysan paysanne yo. Donc journée jodi a nous konnen ki nous gen gouvernement qui son gouvernement anti pep anti ouvriers anti-travailleurs, c'est un gouvernement patron, donc son un gouvernement extrême droite avec la droite. Je dis à mon prêt pour me dire que à travers CNOA, mouvement 22 janvier, nous voulons dire qu'on ça avec ouvriers, appliquer journée grève ça parce que je dis à nous gagnons président ça son président anti pep, un président nous ca essayer comprendre qui vini pour le voler terre nous, li vini pour le craser caï nous mettez nous dehors dans pays pour le prendre terre pour le bail étranger, pour le bail groupe oligarchie rete. Donc nous ca connaît bien secteur textile là, c'est 5-7 patrons qui ont soucié 50 000 ouvriers. Donc, au cap comprendre, pour un patron, un président patron campé dans une zone franche pour dire que ça les ouvriers pas qu'à monter, Anissa. Donc, là, on prend un ministre des Affaires sociales à l'époque, alors qu'on y a eu qui démissionnait et qui dit qu'on s'est pas pour, li pas quoi qu'il est possible pour salaire minimum dans monter. Pendant ça, l'inflation a monté, 17 août. Nous demandons avec tout ouvrier, tout travailleur, tout pays en général, lever campé contre Jovenel Moïse, lever campé contre Parlement. Et nous profitons l'occasion ça tout, journée grève ça gen la dan pour objectif, pour que réduction faite sous budget par les nationales, pour que parlementaires qui cap jouent bon privilège pour gen réduction qui fait sous you. Nous demandons pour réduction faite dans tout ministère qui pas réglé rien. Et nous demandons pour nous frapper pied nous à terre pour nous changer système ça. Système ça son système pourri, son système qui charge à voler, son système injustice qui est lié, son système qui tout en cap vendre. Et élection, nous mandat avec toute peuple population hein. En général, en poté collé, quoi que les ouvriers ou travailleurs ou paysans, nous allons gagner
un bon genre tribunal qui va répondre à besoin nous, qui va avoir nous bon genre justice sociale. Nous demander sécurité sociale, nous demander bon genre accompagnement social permanent. Je veux dire, nous grand président c'est mentelier, c'est menti la bail et nous ouais que président li échoué dans toute salle créé. Li échoué dans bail caravane la misère qu'il mettait sous pied. Li échoué dans affaire comment il les conseils qu'il te mettait sous pied pour faire concertation yo. Li échoué dans question qui bail banane. Donc je veux dire, nous nous dit que président ça son président pep. Donc nous demander en courir contre pouvoir ça jusqu'à ce que Miami pour nous capable au moins râler on souffle en bas classe oligarchie pour nous capable choisir propre monde qui pour représenter nous. Voilà, c'est coordonnateur national CNOA, syndicat ouvrier Dominique Saint-Éloi qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Toujours concernant position qui exprimé par rapport à conjoncture, il y a une position bourade qui sont organisation qui a gommé pour mettre Haïti debout. Mais position bourrade sous conjoncture politique malouk pays à vivre journée jeudi. Mais ça le dit. Événement week-end 6-7 juillet 2018, yo, côté majorité population bloqué, décision gros point pouvoir Moïse Lafontaine prend pour monter gaz là, l'ouvrir un autre épisode dans crise politique malouk qui a brassé bill pays a. Levé campé ça yo, voyez un gros signal bay parlementaire yo à président pour rappeler yo, yo pas gagné carte blanche et pour déchapiller et puis craser pays a. Levé campé ça yo, rappeler dirigeants politiques yo situation politique sociale et économique pays a pourri nan yon point qui pas katan et yo continuer mener ti politique et cap aggraver situation pays a. Levé campé 6-7 juillet 2018 là c'est résultat politique antinational ak antipopulaire pouvoir tête caléa continuer à mener dans pays a. En réalité événement ça est arrivé dans un moment côté pouvoir tête caléa a pas bloqué la justice pour pas agir sur dossier l'agent Petrocaribea était déjà monté gaz dans une première fois malgré protestation qui était sorti dans mitan population et li bloquer salaire minimum ouvrier qui travaille dans factory yo et puis kembe salaire fonctionnaire l'état yo dans même hauteur malgré la vie chère pas suspend augmenter. C'est toujours bourrade qui a parlé et gouvernement ça imposer pays à un budget criminel 2017-2018 malgré soulèvement population. Pendant ce temps ça condition la vie masse populaire à classe moyenne yo a dégradé sans rété. Pendant ce temps ça divers secteurs a observé gens différents représentant l'état yo a gagoté sans gêne bien avec l'agent l'état. Tout ça montré gens pouvoir en place là pas gain aucune considération pour malhéré cap coucouman dans mal cité pour classe moyenne yo cap départ fini. Dans sens ça c'est pas mettre un autre premier ministre qui va régler crise là et c'est pas distribuer poste ministre bay même colonne politique raqueter yo cap échanger en rien dans situation malouk en pays à la donne selon bourade. C'est une autre qualité politique qui pour appliquer une politique côté intérêt masse populaire yo ak intérêt classe moyenne yo compter comme ça droit dans intérêt national là. Une politique côté bien-être majorité peuple haïtien doit passer avant dictat FMI Fonds monétaire international avant jouissance des trois dirigeants brassés et sans conscience et puis réactionnaires. Politique ça mandé pour casser monopole clientèle oligarchique l'état, réduire privilège inutile autorité qui dans tête l'état, identifier puis éliminer tout sous côté l'argent l'état gaspillé. Comme ça parti politique bourade quoi fok toute force populaire progressiste yo rete vigilant pour aider nous démasquer complot politique réactionnaire yo fok yo rete mobilisé pour empêcher pouvoir en place là continuer ak politique antinational antipopulaire liya et puis travail pour venir ak alternative qui nécessaire pour combattre la misère ak dépendance pays a on organise pour contrer toute politique antipopulaire ak rétrograde qui plonge pays a pi fond dans catastrophe. Pour comité exécutif là, c'est Fritz Berg Jano et coordonnateur général qui signe note ça qui se position bourade ou organisation qui a goumé pour remettre Haïti debout. Premier coup de pied d'actualité internationale a mené nous dans Vatican côté Pape François accepté jeudi à démission cardinal américain Théodore Macaric
nan pi go tèt et nan l'église catholique américaine nan yo te bay monsieur te mete le campé un côté pour pas de faire messe li pat rempli mission pendant quelques temps en attendant à leur décision jeudi a monsieur en bas accusation d'après avoir que il était fait abus sexuel zak li te fè yo remonter à peut-être 45 ans et mais yo gon procès canonique que pour le faire concernant monsieur monsieur retourne un simple père mais le pas gain droit pour le faire messe Pape François accepté démission et cardinal ça qui c'est une célébrité dans l'église catholique américaine nan Théodore Macari qui est 88 ans sous tête li yo accusé monsieur d'après avoir plusieurs fois te fait zak abus sexuel dans pays États-Unis et Saint-Père là recevoir lettre là et côté cardinal Théodore Macaric archevêque émérite dans Washington et présenté le démission comme membre collège cardinal là c'est ça un communiqué que Saint-Siège là qui dans Vatican publié journée jeudi a fait connaître Pape François accepté démission ça dans collège cardinal là et lui ordonné pour suspendre évêque américain li pa gen droit pour exercer aucun ministère public et li obligé rete nan kay et côté nan kay ça y a gen pour dire ki bo seulement activité gen pour mener c'est la prière et puis ak repentance jusqu'à ce que accusation porte contre li yo pral examiner yo nan cadre yon procès canonique et son loi qui est spécifique pour l'église catholique le noir canon nous avons un spécialiste, un grand spécialiste haïtien dans le domaine ça, c'est Père William Smart. Et donc, et jusqu'à ce que vous faites procès, et c'est ça, texte qu'on fait connaître, texte essentiel publié, et qu'on sait cardinal là, il a toujours été paix, mais il n'a pas qu'à mener en quelle activité publique, peut-être en privé, il est capable de faire la prière, faire baisse. Dans un communiqué qui était sorti dans la date 20 juin, cardinal Timothy Dolan, et cardinal New York et américain te fait connaître que diocèse li te recevoir a des accusations sous abus yo accusé cardinal Macaric te fait abus sexuel et que presque 45 ans et gens que bon loi et protection timoun américain que l'église américaine n'a été adopté dans l'année 2002 c'est tout évêque américain te adopté la presque scandale sans pareil qui te souqué l'église catholique américaine nan concernant phénomène les pédophiliens elle a dit de paix qui te gère responsabilité de timoun qui c'est adulte qui a endiosé des petites moun et qui te souqué particulièrement diocèse Boston et gain pile procès qui fait concernant dossier ça dans ça l'église catholique américaine non tu es obligé by tête li une maman loi une charte pour protéger timoun yo et gain une agence indépendante américaine qui mène une enquête sur accusation concernant cardinal là et résultat yo remet lan by commission dans l'église catholique américaine nan concernant accusation fait contre monseigneur Macaric yo crédible et c'est pas des bagages voyez monter en l'air yo dit que yo by des preuves yo étayé yo d'après ça cardinal Dolan Théodore et Dolan fait connaître et concernant Théodore Macaric alors c'est Timothy et Dolan qui parlait de Théodore Macaric et pendant que Macaric toujours dit que il est innocent et mais il accepte décision et que Saint-Père l'en prend jeudi d'après sa cardinal New York là et Timothy Dolan fait connaître Macaric était sorti New York comme évêque et archevêque et archidiocèse New York là avant que il était allé Washington n'a vini la caille pas nous concernant mode de grève que plusieurs organisations qui n'ont opposition lancé pour lundi dans quatre mouvements mobilisation pour capoter Jovenel Moïse sous pouvoir après événement 6 7 8 juillet yo yo quoi pas gagne légitimité encore pièce dans responsable organisation qui lancé mode de grève général yo dans tout pays pour lundi 30 juillet pas de prendre contact à quelqu'un responsable association à propriétaire machine et c'est qui dans circulation publique et cap fait transport en commun c'est ça président APCH a changé mais eu dans interview faire radio Kiskeya connaît journée jeudi syndicaliste non déclaré chauffeur qui même APCH pas recevoir pièce mot d'ordre dans sens ça pour pas
après la rue, li continue pour le dire, plusieurs organisations pas qu'à décider pour organiser une grève générale pour Sénat Radio, il y a même qui syndicat qui regroupe chauffeurs et qui dans le système transport en commun attendait ça sans que pas gain aucun chita qui était fait avec secteur transport. N'a pas vite entendu déclaration syndicale change mais président association propriétaire avec chauffeur yo et qui t'a répondre question collaborateur nous Gervens Ricardo Jean-Jacques. Organisateur grève générale, il n'y a pas contacté nous-mêmes? Non, non, nous n'avons aucun rapport avec eux, aucun monde. Nous n'avons pas sur les zones, nous avons des capacités de grève. Nous n'avons pas pour qui ça grève, pas pour qui ça grève. Nous avons nous-mêmes en tant que responsable de notre espoir. Et nous-mêmes, notre école, on a pour grève, nous invitons toutes les autres concernées. Et nous-mêmes, si on a eu les deux décisions, on a dit grève. Mais quoi, la grève au niveau, c'est la dirigeant. Mais nous-mêmes, notre espoir, on n'a pas encore rien à faire grève. C'est la bouche pour nous faire grève. Nous n'avons pas compris la perte. Ça veut dire dans le niveau de transport, pas grand qu'un monde d'autre qui baille, tout le monde a payé vaquer avec l'activité normalement? Oui. Même une fois où on peut expliquer nous là que pas grand qu'un membre dans l'organisation qui lance grève là, qui contacte nous même une fois? Non, non. Nous avons contacté aucun organisateur de la grève. J'ai un Abdoula, c'est comme on dit, c'est même ça, tout le monde dans la radio grève. Mais par contre, pour qui ça, pas pour qui ça dit. Parce que nous même notre transport, depuis ces grèves qui ont rapport avec l'aspect social, qui ont rapport pour changer la vie du monde, nous toujours prêts pour la participation. Eh bien justement, c'est notre objectif ça, il dit à organiser grève là. Oui, nous même faire un secteur, il faut contacter nous. C'est pas sur les zones pour la faire. Par contre, on va là. Si on a blancé c'est sur les zones, nous t'en délit. Nous même les affaires grève, même si c'est la guerre de transport, nous invitons toutes les personnes qui concernent nous. Donc on est passé à l'origine, depuis que c'était la veille. Konya, comment comprendre ça? Ça qui vient là. Bon, on va comprendre la dernière, nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes, nous la position. Nous ne pas mobiliser aucun, parce que nous-mêmes, là, on a fait des. C'était près de 15 à 20 jours d'avance pour nous éviter tout le monde, nous dit telle date, la campagne pour telle raison. Nous sensibiliser tout le monde pour tout au courant. Ça veut dire là, lundi, bien bonheur, au monde qui besoin voyager, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas aucune difficulté, parce que nous-mêmes, c'est que nous ne sommes pas au courant à cette zone-là. La radio, nous sommes même à tout le monde, nous ne pas mobiliser aucun membre, nous qui est tout le monde à faire. Voilà, c'est à la tête APCH, non, qui t'a parlé comme ça dans le micro Gervens, Ricardo, Jean-Jacques, Changé, Méhu. Et c'est même discours à tout, mouvement unifié, transporteur, haïtien, mutant, et Kembe, c'est dans la presse, il apprend à une grève générale dans le pays. D'après déclaration du directeur exécutif Mutlan, Jacques Anderson Desroches, dans l'interview, Libaï Radio Kiskeya, jeudi, syndicaliste en fait qu'on est, dans le secteur transport, il n'y a pas au courant de mot d'autre grève, ça, puisque pas de chita qui était fait, même là, il reconnaît conditions sociopolitiques dans le pays, pas bon du tout. Et ça pas empêché de faire plaidoyer en faveur du réveil, conscience population. Et n'a pas invité à écouter déclaration directeur exécutif mouvement et unifié transporteur haïtien au MUT et qui sont syndicat et chauffeur et Jacques Anderson Desroches dans micro toujours Gervens Ricardo Jean-Jacques. Donc c'est là pour les patrons de nous former nous deux, et nous parlons de l'information. Donc comme nous-mêmes, nous sommes syndicalistes transporteurs, nous tout comptons après soi à vos pays. Donc je nous dis la réussite transporteur, nous syndicats après soi par l'intérieur. Est-ce que à aucun moment de la durée, aucun organisateur grève générale ça, il n'y a pas contacté nous? Je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans deux fois de la capitale, là, nous sommes sur grève. Nous-mêmes, nous parlons de grève. Mais est-ce que vous pas contacté nous? Est-ce que vous pas chita parler avec nous? Autorité là vous contacter nous là c'est ouvrir nous comme la presse. Nous comme syndicalistes transporteurs, nous avons responsabilité dans la pays et la informité à la honte bataille. Et syndicat transporteur, les quatre pays, nous parlons de bien, nous sommes des questions de. Non, la connaît, on va parler pour mute ou bien on va parler pour tous ces syndicats? Non, syndicat transporteur, on va parler de la petite, on va parler de gens, parce qu'il y a de nos points de vue. Nous ne pas au courant de ce que nous avons débat dans les réseaux sociaux, radio. Dans le niveau de la vie, tout le monde en a.
dans le pays qu'on est le bien. Les gens grèves en Haïti, nous ne pouvons pas appuyer grève, nous pouvons lancer grève. Et là, nous lancer grève après, nous avons toute mobilisation, mobilisation du terrain, dans toute radio, télévision, réseaux sociaux, nous présents pour dire que nous lancer grève. Et si nous lancer grève, nous sommes au courant des grèves, c'est pas jeudi samedi à moi, on a parlé, c'est après l'avant, nous informons tous les transporteurs en Haïti, nous allons lancer grève. Nous-mêmes dans le secteur transport, comment nous est pays? Bon, nous avons une situation lamentable, nous avons une situation chaotique. Presque gouvernable. Nous avons une situation, je dis, avec crise de la conscience citoyenne, nous avons une situation côté misère galopante. Mais certainement, nous sommes conscients de la situation de misère. Le famille là, comme problème, pas quand un citoyen honnête qui est d'accord, nous confortable. Et si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas faire conscience, nous ne sommes pas faire promotion pour l'hiver de la conscience citoyenne, nous mal barrés. Je dis à moi, c'est une question de paternité, nous avons cherché en Haïti. On est dans ce mouvement, vous le gagnez, non, vous le gagnez paternité. Et nous-mêmes, pendant la bataille, nous avons fait là, suivez-nous à la lettre, nous toujours poser le dossier. Et ce que nous avons fait, on a eu des critiques, mais nous-mêmes, là, nous critiquons et nous proposons. Je dis à Jean-Paul Monique à profiter de la situation pour l'entrée de l'activité. Donc nous-mêmes, dans le niveau syndicat de sport, nous avons réitéré tout le pays, syndicalistes, transporteurs, nous parlons de ces c'est dans la radio et télévision, nous sommes des gens dans ces grèves. Parce que imaginez-nous, la situation difficile, nous est là. Pourquoi on est capable de faire clan encore? Pourquoi je dis qu'on est capable de faire une zone, l'autre la fait vert, l'autre la fait rouge? Donc moi, c'est la catastrophe globalisée, peut-être généralisée. Voilà, c'est syndicaliste Jacques Anderson Desroches, mouvement unifié transporteur haïtien MUT, qui a parlé comme ça dans le micro, Ricardo, Gervain Ricardo, Jean-Jacques. Faut que nous dit quitte, c'est à la tête à PCH, non, changer MEU, et quitte, c'est Jacques Anderson Desroches, principal organisateur mouvement grève ça, yo pas dans ce collé à Kyo. Et kit se youn, kit se lot, yo te dénoncé yo nan jouk sot passé là. Jacques Anderson Desroches nous songe, youn nan organisateur et grève et lundi an, qui gen un nouveau organisation rele secteur revendicatif haïtien, et te dénoncé lui-même ensemble avec dirigeant NDDH d'après avoir, et c'était pas de vrai dans ce qui concerne les dirigeants NDDH et Pierre Espérance était al nan palais national pour al négocier contre peuple. Non ça qui concerne APCH et toujours dans même groupe d'organisation ça il y a une les brigades anticorruption syndicale anticorruption ils ont dénoncé changer mais ils ont dit que tu as un plan pour assassiner membre brigade là donc tu pas gain belle à deux syndicalistes ça yo et mais tout question t'est posé dans conférence pour la presse de bah hier organisateur grève lundi là il était posé une question et bien Gabriel Loresto qui te répond. Il a dit que toute machine a pchita la caillou. Et ça, il a dit comme réponse. Voilà. Et c'était concernant mot de grève lundi. Et puis, le coordonnateur national CNOA, Dominique Saint-Éloi, qui continue à exiger au plus petit 1000 gouttes, comme ça, le minimum, pour ouvrier dans le secteur textile. Réintégration ouvrier usine Will Bessio, avec démission membre CSSO. Et syndicaliste fait connaître CSS dans maré dans pied table patron yo. Dominique Saint-Éloi fait connaître CNOA et Gostra CTSP à l'autre syndicat qui habitué manifester pour défendre droit ouvrier yo, pas participer dans aucun rencontre à Conseil supérieur salaire CSS. N'attendez coordonnateur national CNOA, syndicaliste Dominique Saint-Éloi toujours dans micro Vladimir Maurice Doré. Question salaire minimum avec réintégration ouvrier ouvrières usine factorio qui évoqué dans Wilbes nous camper derrière lié 1000 gouttes pour salaire minimum avec accompagnement social yo et nous mander réintégration ouvrier Wilbes qui évoqué Dominique Saint-Éloi hier tu une rencontre qui était fixée entre responsable CSSO syndicaliste qui dans secteur textile là est-ce que rencontre ça elle t'est faite bon côté pas nous à travers CNOA depuis l'année passée nous pas connait gon CSS qui existait si gon CSS c'est CSS patron c'est intérêt patron yo qui l'a cautionné donc journée jodi a me son CSS mafia, son CSS magouille, son CSS qui téléguidé par patron yo. Donc je vous dis à CSS ça, nous pas faire confiance. Et te gon accord qui te signé à Costa Rica, que l'État haïtien avait signé comme témoin à travers ministre affaires sociales à l'époque, à travers médiatrice spéciale du travail là. Et nous mandé que c'est accord Costa Rica qui pour entrer en vigueur pour venir changer CSS mafia magouille ça, pour venir changer chaos ça qui est là je vous dis.
nous-mêmes dans CNOA et Gostra CTSP, nous gagne l'autre organisation syndicale tout toujours manifester pour défendre l'intérêt de travailleurs. Nous pas d'alchita dans vieille concertation qu'a fait yo et moun sa yo dans CSS là, nous-mêmes à travers ouvri, à travers syndicat, nous pas gagne représentant travailleurs dans CSS. Pendant que nous-mêmes beaucoup de pas nous dit pas connaître CSS là, mais gagne préparation rapport pour salaire minimum qui en cours, qui position nous par rapport avec préparation rapport ça. Nous-mêmes nous gagne objectif nous clair, nous tête droite pour nous demander 1000 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social permanent. Et m'pas quoi un CSS capable bailler. Voilà, c'est syndicaliste Dominique Saint-Éloi qui t'a parlé comme ça. Et non, micro, Vladimir Maurice Ridoré, c'est coordonnateur national syndicat CNOA. Et puis directrice exécutive fondation J'éclairé, Madame Marie-Hélène Gilles, dénoncé commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Octam Clamé d'Améus, d'après avoir y a été 64 citoyens et citoyennes, et lui dit que participé dans piller business, dans l'occasion événement 6, 7, 8 juillet qui se passait là, lorsque il n'y a pas de prononcer un flagrant de délit, qui donc il n'y a pas de barré, mais il était en droit à mon nom, qui t'a répondu à une question à Radio Kiskeya, dans le bureau, c'était ailleurs, demandé pour commissaire gouvernement laguer, sans perdre du temps, tout pour nous savoir que mal arrêté. N'a pas coûté directrice exécutive Fondation J'éclairéa, Madame Marie-Hélène Gilles, dans le micro Robinson Henry. Dans Port-au-Prince, le commissaire a été dit l'arrivée de 64. Le commissaire a eu pour devoir, même si elle a arrêté, on lui dit ce qu'elle a fait, pour qu'il même, il prend responsabilité pour capable de corriger. Donc, il faut qu'il nous libère. Effectivement, le commissaire a été monté sur la ville, il a été libéré pour nous, si nous avons été arrêtés, pour nous, si nous avons été arrêtés, dans le cadre de l'arrivée de la fête sur la place Boyer. Mais il y a trois encore qui ont toujours été. Et dans la prison, et dans le niveau FJKL, nous en contact avec le parquet pour être capable de mettre les gens pour mettre les dehors. Parce que c'est des teams de l'OTE. Et il n'y a pas seulement la rue, la police fait arriver, ils ont arrêté, donc il faut que nous libérions. Nous n'avons pas souhaité que ça qui est passé, il y a une grosse enquête qui fait la dame de la tournée pour que ça le fait. Tout à fait, c'était comme ça. Ça a été libéré. Comment on va l'arrêter? Au bout, au malheureux, qui te volé, on ne sachait pas dans le cadre de l'OTE. Donc, ça, c'est montrer quoi. C'est marqué par sa place. Si nous avons devant nous dans le commissariat, nous disons, ouais, des bagailles. Mais est-ce que c'est vous qui débrouillez ou bien c'est policier qui débrouillez ou tout? Et puis, ça ne va pas le faire avec eux. Arrêtez de nous mettre dans la pénitence nationale sans continuer. Donc, ils sont médias là. Alors, qu'on prend pour nous demain. Nous croyons que il faut que la justice là aussi saisisse. Pour être capable de faire la justice avec le sens du sérieux, pour être capable de respecter l'institution qui de plus en plus a déplié la société. Voilà, Madame Marie-Hélène Gilles qui a parlé comme ça dans le micro. Robinson Henry, Yolot Pat, directrice exécutive Fondation J'éclairéa, et Madame Gilles dénoncé président Jovenel Moïse qui baille l'ordre, d'après ça, dit pour craser plusieurs mounes et qui était dans le voisinage dans Pèlerin 5. Responsable organisation ça qui a défendu droit monde exiger réparation et qui donc reconstruit Kaimoun yo bayo qui selon lui-même crasé des de la loi. N'a pas encore directrice exécutive fondation J'éclairé Madame Marie-Hélène Gilles toujours dans micro Robinson Henry. Président qui était père de rien et c'est voisinage nous de vie. Son locataire les mêmes gens avec tout le monde. Cela dit côté caille parier, c'est pas le national. Tout ça l'a fait en roi pour la renouveler malgré avec malheureuse. Donc nous dénonçons le fait que le président utilise le pouvoir avec appareil l'État pour la faire mon saïo à vie. Nous exigeons pour réparer le palier de l'État. Parce que nous, l'État qu'on a reconstruit, nous avons payé le droit de construction, nous avons payé toute taxe de l'État. Et d'ailleurs, nous avons pour la caillou, nous avons tout le fait subtil, on a dit que c'est des gens qui légalement qui sont terres. L'histoire de dire à cette terre, qui est-ce capable de dire qu'il y a côté caille président, son terre qui a acheté légalement. Donc, il utilise l'appareil l'État pour être capable de faire le droit. Et nous exiger que nous réparions comme nous avons barré. Nous avons période de la pluie, nous avons période cyclonique. Comment on peut nous mettre à l'école, puis abdormir à la belle étoile, classer le caillou, mettre de tout ça, de procéder et dehors, sans une décision de justice. Tout dégâtissement, c'est la justice qui fait. Il n'y a pas de gens qui ne pas appuyer. L'autre côté des mecs qui sont dégâtissement. Mais en plus, il y a des cailles qui ne sont pas gazées, qui sont protégées, qui sont amies. Et puis, qui nous fait malheureux. Donc, moi, nous comprenons très mal que le président dit pas de pauvre. Il
bon côté, alors que Haïti son pays pauvre. C'est pour ça que nous disons que nous construisons à nous. Voilà, c'est dirigeante Fondation J'éclairé à Madame Marie-Yolaine Gilles. Non, Miko Robinson, nous excusez-nous pour qualité son. Nous l'autre coup de pied dans l'actualité internationale là, à Menenon dans le pays Mali. Côté demain, il y a une élection présidentielle. Mais le pays en bas, gros menace en 10 à 10. Et c'est dans l'année 2013, le président qui l'a, qui partit de l'autre mandat, Ibeka, était élu après intervention la France te fait pour te chasser islamistes. Et président malien dit candidat pour le rester dans poste li et c'est lui même qui paraît favori même si monsieur pas arrivé mener l'appel te promettre dans pays que zak terroriste miné pays Mali et tension entre diverses communautés monté plus haut degré. Mali pratiquement a tout fait tout parce que gon vague chaleur qui a frappé paquet pays mais grand pile doute et sous et vote cap fait demain il y a pas quoi et que votre land vraiment li a respecté intégrité ça qui t'a doué intégrité yo et processus électoral et tension sur question sécurité alimenté plus haut degré alors que demain dimanche non peuple malien pour aller dans premier tour élection pour élu un président et pays a fait face à une instabilité la mea qui déplantonné pour éviter que pas gain trop casse et depuis plusieurs jours le gouvernement finance des spots qui a passé dans média yo pour demander population pas fait tête chaud était très calme occasion élection Ibrahim Boubacar Keïta qui président actuel qui 73 ans sous tête li qui était élu en 2013 avec appui la France dans tête rassemblement pour Malien et mandat là demain les en jeu mais il voulait pour t'arrêter. Et monsieur, malgré de ne pas remettre un yin sous pouvoir, je crois que il y a une chance pour le rester encore. Jean que Malien Relil et Vieux-Ya, il y a Kebel pour l'arrêter dans tel pays, malgré un bilan que tout le monde a contesté. Bilan pas gagné la donne négatif. Malien est déçu, d'après sa Marie Roder, qui sont spécialistes et pays Mali, qui sont professeurs dans School of Oriental and African Studies et SOAS dans ville Londres. Il fait qu'on ait insécurité à augmenter dans tout pays. Hein? Situation économique là, son catastrophe. Malien yo, yo gen sentiment que mandat ça pas servi peuple malien rien du tout. Et question et sécurité à c'est lui même qui n'a non tension qui gagne dans pays ça qui est en Afrique de l'Ouest. À part et yo suspecte que gouvernement qui l'a déjà pris toute mesure. Non mettait tout un système magouille et camper sous pied pour capable président rester sous pouvoir pour gagner élection ça capable provoquer gros bouleverse tout dans pays Mali et gagner tout diadition qui dans nord pays qui menacer élection demain hein? Et puisque grand pile attentat terroriste qui fait déjà dans pays Mali pendant dernier temps ça yo et zone que gouvernement malien avec appui l'armée française te reprendre nommé islamiste radical yo depuis l'année 2013 mais islamiste ça yo yo toujours manifesté parce que Mali a son gros pays qui a plusieurs frontières avec Niger par exemple avec des pays comme Algérie et donc tension entre communautés autour et a monté dans dernier année ça yo donc sécurité a c'est un gros problème qui gagne particulièrement dans mitan pays a et président Ibeka yo critiqué tout partout dans le pays d'après avoir monsieur pas arrivé jeune résultat même communauté internationale ça yo dit que la France qui a pas appuyé c'est deux mains au bête dans tête là dans bureau porte fermé pour y a critiquer d'après ça spécialiste Marie Rodet fait connaître d'ailleurs c'est une et dans et côté que opposition et a mordé li côté yo estimé capable faire gain avec leader opposition et Soumala Cissé et qui promettent si c'est lui qui passe comme président, eh bien, l'a changé situation. Élection demain, dans le pays Mali, un véritable test. N'a pas retourné la caille Panou, organisation que y aurait les mouvements populaires Bois Jalousie, MPBJ, qui fait connaître, il fait partie de l'opposition qui est dans le pays, a déclaré appuyer Karibare
Mot d'ordre grève diverses organisations lancées pour lundi qui a venu là pour exiger pour Jovenel Moïse qui était pouvoir. Ces déclarations coordonnateur général organisation ça les Tel Fort Sylvestre avec Veus Sylvestre et Youn c'est président notre secrétaire général et puis avec Amos Pierre qui parlait dans micro. Et mouvement force qui sont dans Pétionville, spécialement jalousie, nous sommes en pour nous, pour nous appuyer sans réserve toute grève qu'a fait, toute manifestation qu'a fait pour nous voir, qui nomme Zotet ça qui est le Jovenel Moïse, pour aller nous-mêmes dans le mouvement force populaire, bois jalousie. Je t'ai dit que. Les rapports de la qualité bloquée, nous allons montrer les papes qui ont des routes pour le passer. Nous avons bloqué. Parce que Pétionville, c'est nous qui force la donne. Pétionville, c'est jalousie qui force la donne. Nous avons appuyé toute grève, spécialement lundi, mouvement force populaire ou jalousie, dit Jovenel, ou pas bien route pour passer. Même si vous passez dans l'hélicoptère, force populaire a bloqué. Nous avons appuyé toute grève, toute mobilisation qui a fait contre monsieur. Quel était pacifique, nous pas dans pacifique nous-mêmes. Toute mobilisation, quel soit janvier, pour nous déchouquer, nous retirer net, pour nous aller, pour le remettre nous, parce que nous ne connaissons pas encore le président. Et nous appuyer tout ça qu'a fait contre monsieur nous-mêmes là-dedans. Je vous dis à nous-mêmes, nous n'avons pas appuyé tout mouvement. Et nous appuyer caribari mouvement et des grèves qu'a fait lundi. Hein, et nous avons tout support nous dans la façon qu'il est capable. Et non seulement nous-mêmes au niveau des bois jaloux, nous sensibilisation pour que nous prenions le Jovenel Moïse, même pour nous demander de l'eau, pour nous demander de l'eau parce que nous poussons en l'air. Pas gagner qu'a fait pour nous. Donc nous-mêmes, ça est inacceptable. Et nous ne sommes pas d'accord pour ce président Jovenel Moïse qui nous mettait fin. Nous sommes capables de dire à distinguer nous comme peuple. Voilà, délégation ça qui sortit d'un bois jalousie. Organisation et le mouvement populaire Bois Jalousie, nous connaissons qui c'est un gros bidonville dans la commune Pétionville, là, MPBJ, et qui t'a parlé comme ça, et Tel Fort Sylvestre, président, Veille Sylvestre, et avec secrétaire général li, Amos Pierre qui parlait dans micro. L'autre organisation, c'est regroupement organisé pour changement d'Haïti, Wash Evans Toussaint, qui courait mon d'autres grèves là. Diverses organisations qui sont en opposition à pouvoir annoncer pour lundi qui a venu là pour exiger démission Jovenel Moïse après événement 6-7-8 heures dans tête pays. Responsable politique organisation ça profité mandé tout pour laguer tout monde qui était arrêté en bas accusation était dans PI et alors que pas de barré et pas de jeune flagrant délit et dans événement 6-7-8 juillet qui se passé là c'est commissaire gouvernement qui t'a annoncé il t'a arrêté une soixantaine de monde n'a coûté Evans Toussaint qui t'a parlé comme ça dans micro que nous mêmes le parti politique Wash que nous mêmes nous courir et grève yo et n'a participé actif tout dans grève là grève là qu'a respecté sur tout territoire national là. Je m'a dit à tout peuple haïtien en général gérer zone nous. C'est gérer quartier nous. Jeune ka gérer pour jounen yo di an pour nous ka satisfaire grève là à 100%. Que jounen yo di an nous mandé départ président Jovenel Moïse à la tête pouvoir. N'a tout profité, mandé délibération politique, plus passé 64 jeunes filles et jeunes garçons que y a arrêté, commissaire du gouvernement arrêté sous l'ordre régional Dr Boulos pour le café travail patron. Nous-mêmes qui appartenons en dans dirigeant organisation politique ça qui c'est Watch. Que nous-mêmes nous demandons pressé pour délibération tout prisonnier politique ça qui ont arrêté 6, 7 et 8 juillet 2018 là. Nous demandons délibération sans condition sous toute grande territoire. Nous demandons délibération pressé. Voilà, c'est responsable organisation ça les Wash Evans Toussaint qui te parlé comme ça nan micro qui appuyé mot d'ordre grève et qui lancé pour lundi. N'a retourné encore dans actualité internationale là avec chef diplomatie française là Jean-Yves Le Drian qui veut tout trouver nous là kay voisin nous dans pays Cuba dans cadre réchauffement relations
entre la France et Cuba. Ministre Affaires étrangères pays la France, Jean-Yves Le Drian, rivé Cuba pour une visite jeudi à demain. Et c'est ça l'autorité française a annoncé. C'est pour la première fois depuis commencement mandat président Emmanuel Macron qu'on membre dans gouvernement non vini dans pays Cuba. Et ça fait quoi il y a deux l'année depuis que la France rétablit de façon totale capitale toute relation à Cuba. Et ça veut dire qu'il y a un pile, il y a tonne dans relation ça. D'après ça, Olivier Daben, qui c'est président observatoire politique Amérique latine, non, dans série, qui c'est un centre de sciences politiques, fait connaître. Dans le programme Jean-Yves Le Drian, chef de diplomatie française, non, il y a prévu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères cubain, et puis il y a une visite, il a fait tout dans le centre historique à Havane, non. Et le ministre, non, voulait pour développer bonne relation économique à Cuba, la France. Faut nous dire pour plus petit, il y a une soixantaine d'entreprises françaises qui sont déjà présentes dans le pays Cuba. Une soixantaine. Regardez combien d'entreprises françaises qui sont en Haïti. Donc, une soixantaine. Et c'est presque la même situation qu'un voisin en République Dominicaine. L'autre voisin, Colac, nous. Parce que Cuba est voisin, nous tous. Et Olivier Daben, spécialiste, parlait de enjeux économiques et politiques pour la France dans le rapport à Cuba. Et nous connaissons, c'est un bout de la mer qui sépare Cuba et pays États-Unis. Et ça fait quoi, il y a là deux l'année depuis que la France a une bonne relation Total Capital avec Cuba. Et nous avons un pile dans la relation ça. Dans l'année 2015-2016, yo, la France estimait que le rapport était très décevant. Et donc, ministre qui présente journée jeudi, son façon pour capable de renforcer la relation et montrer que le gouvernement français a voulu pour un bon gens échange commercial et échange bilatéral avec Zile Fidel Castro. Parce que il dit que tendance concernant le commerce est voulu pour le descendre depuis deux ans. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que tout dans le rapport diplomatique, yo, d'abord, le pays s'est cherché. Et autant de ses bras armés, en pile médiaillé dans ce ça, dans le gros pays, puis il n'a pas annoncé combien de contrats et que le gouvernement aussi a tel pays, surtout les Alvanzam. Donc, et tout pays ça, yo, les partis, pour aller dans le pays, président par exemple, il y a un dividal homme d'affaires qui accompagne. Bon, au Canada, il est sa mission Canada. Premier ministre, en tête une mission. Et puis il a débarqué dans le pays ya, pour aller chercher contrat. Et c'est ça tout gros pays occidental y a fait. Et donc changement qui proposé là dans la constitution cubaine là, nous te parlons de ça nous pas traité mais pour nous retourner sur lui, Cuba désormais reconnaît dans la constitution là droit moun gen droit pour yo gagner et terre privée, gè caille privée, gè propriété privée, yo ouvre une porte pour ça les économie capitaliste, économie de marché et qui permettent que pays occidental ça yo ouais ça a un intérêt des pays tant que la France yo quoi son bon bagaille et mais a un référendum qui doit faire et sous et pour ça que yo mette dans constitution Cuba qui pour la première fois depuis 60 ans un président qui pas signé Castro et débat politique yo y a continué et côté que gen pile audience publique qui pral le fait parce que gouvernement pas ni crété pour décision. Et puis, peuple, là, c'est tant de prendre. Il va marcher dans tout le pays là, pour discuter avec la population. Et puis, après ça, il font un référendum. Et sous ça, qui mettait dans la constitution ça, et projet constitution ça, pour Cuba, qui sont pays communistes, entrer dans le système capitaliste. Non? Et côté, il n'y a pas de reconnaître pour les gens droit pour les propriétés privées. Désormais, il veut pour les gens propriétés privées. Mais pendant que Cuba dit tout le pas pour renoncer, Axatul comme pays communiste. On connaît c'est ça gain pour la Chine. La Chine c'est un capitalisme d'état, l'état chinois bien que dit son pays communiste, mais lui même tout il dans politique de marché. Il dit que mon a vendre, mon a acheter, mon a faire bénéfice, mon a investi. Ou toujours sur Radio Kiskeya. Merci pour confiance sur Radio Kiskeya pour informer. N'a pas continué à présenter journal l'ange Jean que nous connaissons invité nous et c'est historien Pierre Buteau tout à l'heure sur 103e anniversaire l'armée américaine premier débarquement dans le pays d'Haïti qui t'a pas occupation 1915 1934 là on connaît là on va ouvrir une autre session information
Tout à l'heure, avec détail. Nous sommes le président Macron te dit comme ça que si on besoin au monde qui responsable et ça responsable sécurité de la Benal a été fait assez lui-même que au vin chercher les 150 Français qui font manifestation je veux dire que t'as le chercher. Mais pourquoi elle est là, nous voilà pour un extrait d'émission Parler pour nous avancer qui a passé demain après-midi à 1h, côté Marvel à recevoir député Renal Exantis, député Lester, là, qui est lié à la bannière OPL, qui gagne une vraie préoccupation concernant état image parlement à driver dans la rue et lui-même l'état vle pour parlementaire t'a prendre conscience de situation ça pour t'a réduit dans privilège on des conversation avec les ministres t'a réduit privilège de 40% li quoi ça t'a sauver image sauver ça qu'a sauver et devant peuple haïtien donc m'a va la recevoir demain à 1h attendons un extrait dans émission ça parler pour nous avancer grande marche qu'a fait pour mon nouveau premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Et comment pour démarcher ça, tu es capable de faire pour que l'État capable de servir pour apaisement. Parce que si le fait est de la manière traditionnelle, il n'y a pas le bon résultat. Mais m'entendez, collègue ou d'Aquin, Jean-Aubert Bosset, dit un bail qui est intéressant. Il souhaitait que le choix du nouveau premier ministre en fait dans le cadre d'un accord politique. Tu as pensé de ça? Pour mettre au clair, ça c'est point de vue moi. Et moi, je crois dans nos chaos et fondateurs. Je ne crois pas dans formel. Qui fait que moi, j'ai conviction, et chaque fois que je parle, je renforce ces convictions sur ça. On change au PM, j'ai un pays ça est là, j'ai un système ça est là. Nous pas d'accord, vider le système là, même si je mets comme PM, ou à boire, et je me chance de dire. Il y en a qui ont dit, ah, mais on a un anarcho populiste. Ça fait pas. Je m'abandonne. Et je me chance de rencontrer. Alors, suivre une déclaration en CPM, et Jean Charles, qui a dit pays ça, qui est en pile piquant, qu'on a tout côté dans le pays ça, il n'est pas facile de gérer le système là, mais il faut d'accord, il y a une parole à l'autre autour du système là. Ce n'est pas autour d'un choix, je veux dire. Système qui a généré désespoir. Système qui a généré l'inégalité. Ça n'a fait avec elle. Ce n'est pas autour d'un monde, au PM. Mais dans le PM ça, nous avons mis le mécanisme. Les salles doivent l'appliquer, mécaniser, la suivre, on voit. Mais on peut être d'accord sur son choix. Mais tout système de système social, système économique, les gens qui ne peuvent payer taxes, les gens qui ne peuvent payer, pour qui ne peuvent pas aborder le bazar, il y a toujours posé, il y a toujours été évident. Mais sans que on ne peut jamais aborder, on ne peut jamais ramener ça sur une table de discussion. Qui côté de l'argent pour financer la forme de l'économie en tout. Si on dit qu'il y a des obligations sociales, il y a des obligations économiques pour financer le système social, ça qui nous a gagné, il faut garder. Il faut garder les paramètres de production nous, en même temps. Donc, ça fait simple, tout un package. Ça fait fond, même tout clair, fond passer par Haïti de Haïti. Fond pas pour Haïti comme insulaire. Elle dit, nous sommes l'île, nous pensons que ça ne fait pas nous, etc. Alors, pour ne pas y avoir avec nous. Fond mettre Haïti dans le système monde, qui a bougé, qui dynamique. Fond penser le développement d'Haïti. Mais ce n'est pas haïtiennement. Voilà, peut-être nous disons ça. Nous avons pensé le Haïti humainement. Comment le monde vivre et comment le territoire développer, comment l'économie devancer. Moi, c'est ça mon point de vue. Et c'est ça que tout bas, ça va prendre des accords avec Jérôme Bossé sous Casa. Nous des accords, grandement, que moi-même, des accords, ça, c'est pas soit le monde qui est la pied, qui dit qu'est-ce qu'il y a, etc. Choisir une opposition, gagner en pile piquant, et Jean, il a dit pour moi, Pité et Jean-Charles, en pile piquant qu'on a à côté. Il a pas influencé, il a envie de faire, pas qu'à faire, parce que il y a un acteur qui pas de jambes sous table là, il paraît en balle puissant. Non, mais il a dit que vous faites tel bagage pour moi là. Donc, il faut qu'on sorte dans le cadre. Il faut sortir dans le cadre comme ça. Dans le cadre comme ça. Il faut sortir là-dedans. Et pour sortir là-dedans, pas de route, pas de bois. Il faut que nous mettions tout problème pays sur une table pour nous discuter. Ça fait moi-même quoi dans ça. Parce que je dis à comme on dit ça, à pour les affaires, moi, quoi non, chaos fondateur, pas calme de vos fondateurs. Chaos dévastateur, passé déjà. Il est là. Mais l'imminent, il est en background. Mais si nous pas d'accord, refonder l'État. Repenser, remanier le système, là, tout encore. Mais il faut faire transition, ça. Sortir de dévastation, ça, pour aller vers une fondation. Mais comment y arriver? Donc, c'est pour ça pour nous discuter. Bon, mais il faut faire une autre transition. Voilà, c'est député Renal Exantis, député Lester, m'avait la recevoir demain après-midi à 1h dans l'émission Parler pour nous avancer. Oui, nous pour aller dans l'actualité internationale dans le pays la France, affaire Benalla toujours
collé dans corps président Macron alors que yo espéré que c'est pour affaire d'état selon intéressé à lui-même et qui a multiplié interview après Le Monde monsieur Bay TF1 et qui c'est plus gros chaîne télévision privée en France sur interview hier il dit soit affaire d'été c'est pour affaire d'état mais je dis à 150 manifestants dans ville Paris qui t'a cherché Macron parce que Macron t'est défié son président Préval t'a dit peuple a passé chercher les émeutes 2008 yo contre grand goût il t'a dit pour passer chercher peuple d'avoir pas chercher le ministre qui fait pas passer chercher dans sa pour manifester avec yo eh bien et peuple yo pas mes défis et je dis après la Russie yo 150 c'est vrai et yo mandé démission Macron. Et puis, il dit, ben Allah, yo même, monsieur doit fermer dans la prison. C'est ça, et il a dit dans le slogan, yo, et dans l'occasion de manifestation, ça a fait, je dis, c'est une organisation, le Fonds Social Uni, et qui rassemble une série de syndicats professionnels, tant que Sud, et branche CGT, qui a organisé manifestation avec syndicats étudiants, ensemble avec des groupes féministes, avec l'autre organisation qui a défendu immigrants, monde qui parle de papier dans le pays de la France, et qui a pris la rue contre Macron. Je dis, mais la police pas de quitter approcher beaucoup local parti président était kembe en distance et yo dénoncé insolence mon cher Emmanuel Macron d'après ça dit et comportement Alexandre Benalla et puis avec violence la police a fait contre peuple français et organisation ça yo te répond président et yo dit bon nous pral chercher Macron. Il dit que eh bien si on moun yo besoin ba pote chay c'est moi même dom la pas sur la mais vite prend côté bien mais dit bon nous vienne pour Macron. Donc il a répondu déclaration président et fait dans mitan zan minyo semaine ça les cœurs il t'a ba pression puisque 77% français te dit que son comportement arrogant qui est président fait pas parler à peuple français hein et puis il t'a choisi parler dans mitan zan minyo mais ça pas passé il t'a obligé parler devant la presse finalement. Parce que le peuple a toujours continué à monstrer. Je dis que pas avec nous le parler, ça a examiné dans le palais, les gens qui n'ont pas tiré, et député lui avec le ministre. Et d'être ça, monsieur, tu as une force, parce que on est généralement, les gens qui n'ont pas tiré au président, ils ont une distance, tout pour nous battre bravo, et c'est ça fait le président faire pire erreur. Alors, il dit, et si vous voulez un responsable, même devant vous, si vous voulez venir chercher, la parle avec la classe politique, l'opposition, mais que vous venez chercher. Dans sa monsieur était caché des humanités qu'il gagnait et puis avec suffrage universel là il connaît que député pas qu'à prendre parti politique pas qu'à prendre en tout cas pendant 5 ans. Rosa qui c'est une manifestant yo qui c'est une simple citoyenne qui dit li concerné dans tout ça qui a passé dans pays te dans manifestation contre autocrate Amiens. Amiens c'est côté président Macron sorti il dit autocrate avait dit président ça que yo dit qui vertical qui pas horizontal du tout avec peuple français hein, qui c'est un Jupiter et donc il vient manifester contre monsieur il dit son gouvernement autocratique qui gagne là il dit l'état qui censé là pour protéger nous et a commettre des actes pour ça qui passé là et ben gros problème dans république là l'air a agi Jean-Macron a fait là et ben nous-mêmes nous pas qu'à permettre nous-mêmes pays la France pour n'a critiquer notre président qui c'est homme fort Recep Tayyip Erdogan qui c'est président pays Turquie d'après sa citoyenne française dans fait connaître dans ça la France obligé baler devant porte la caille. Donc hier te gagné et une autre manifestation qui t'est faite même gens tout t'as cherché Macron et qui t'est rassemblé une centaine de monde c'était place contre escape et dans ville Paris côté justement Alexandre Benalla et il était filmé qui t'a maltraité deux citoyens français jour qui était premier mai. Et monsieur devant la justice et ça les mettait en examen un juge instruction qui sous dossier là pour violence il était rassemblé avec l'autre pour te faire sous des citoyens Benalla et la police qui la police dit que monsieur était venu d'après ça dit comme observateur dans l'occasion fait 1er mai même ça plaidé là il dit que pas de personne et c'est parce que le terrain t'a pas agressé la police c'est quoi n'importe qui citoyen t'a agi mais est-ce que n'importe qui citoyen t'a gon casse police dans tête yo et puis avec yon insigne la police dans braio qui marqué la police et donc il y a Vincent Crasse qui sont l'autre tout qui était impliqué dans même situation qui trouvait devant la justice il y a trois fonctionnaires la police dans tout trois gros gradés dans préfecture police dans ville Paris yo même semblé petit figui et yo a traîné tout devant la justice d'après avoir
les Bénal apparaît devant eux, ils ont oublié toute règle, ils ont livré monsieur une série d'informations que le pas de bail, tant que vidéo protection et violation secret professionnel et que policier ça a été bail, ils suspectent que ils transmettent les bail Bénal parce que c'était son homme tout puissant que devant eux, ils ont bail copie image vidéo surveillance concernant incident qui est passé place contre escape. Et donc ça la loi punit ça en France. Moun nan pa gen tit pou sa e pa dwe bade. Donc voilà dossier ça qui a continué dossier Macron fòk nou di que la justice te al fouye e bureau Benalla nan palais Élysée et yeb e Benalla li menm te retourné nan palais Élysée kote te al tente pou te pran yon machine que la police te saisi nan men mais pa kite l sorti ak machine. N'a pas retourné la caille pa nou. Pour nous parler de et toujours concernant déclaration qui a fait gain Arnold Jasmin ak Edson Jean-Cyr qui c'est coordonnateur général ak porte-parole de l'organisation des sociétés organisées pour développement qui fait déclaration dans micro pour demander président Jovenel Moïse suspend fait dilatoire dans cadre consultation qu'il a fait pour choisir un nouveau premier ministre qui doit monter un gouvernement et citoyens ça a profité mandé parlementaire autour pas entrer dans question choix nouveau gouvernement une façon et pour yo même yo capable faire travail constitution ba yo qui c'est contrôler gouvernement n'attendez situation politique pays a vinn dégénérer nous voyons un nouveau bloc politique qui créé dans sénat ça veut dire que nèg yo commencé prendre conscience que c'est eux même qui mbé pays en otage finalement nous profiter une dit à président comme il était dit il va le bail manger à mon dieu grand goyo il va prendre terre il va prendre de l'eau il va prendre mon yo pour le faire moment arrivé qu'on est là pour c'est pas paquet dilatoire pour la plus faire c'est moment pour profiter dit peuple à la bien pour pas négocier avec sénateur encore deuxième bagaille n'a dit si yo dit il a mené enquête yo joine gain quatre ministres qui étaient entrés dans pas porte de dans porte de dans gouvernement si yo pas de gain décharge c'est que yo violer la loi si yo violer la loi faut que yo gain sanction c'est pas seulement quitter yo seulement révoquer yo nous même en tant qu'organisation de base qui reconnaît par le ministère des affaires sociales et du travail n'a pas action et sinon puisque c'est l'injustice qui a triomphé nous en tant qu'organisation nous pas caractère garder donc son chance yo balier encore événement 6-7 ans te montrer que lui même n'est pas seul monde qui a dirigé pays donc ce moment ça nous balier pour que lui profiter faire ça affaire sinon organisation continue prendre la rue pour réclamer démission faut que nous connaît très clairement que pas gagner aucune autorité qui agit dans intérêt peuple haïtien parce que pour qui ça plus n'a plus empiré dans la misère et cependant député parlementaire surtout c'est riche à riche donc c'est la corruption totale yon gouvernement tombé là c'est dilatoire qu'a fait jusqu'à présent consultation etc donc c'est ça qui fait n'a vous message ça clair bah chaque grand parlementaire soit disant parlementaire qui n'en parlement donc faut que veillez bien pour ça qui t'est passé 6-7 juillet parce que peuple en son peuple qui vraiment frustré yo nan chômage pa gen travail donc faut que yo pa foure bouche yo nan zafè choix ki te président Jovenel Moïse ak tout conseiller yo chita bien pour yo faire choix de un chef du gouvernement dans la paix dans la tranquillité en façon à ce que pour pays capable avancer parce que nous di yo très bien si yo pense que ici eux même qui pral chercher gen contrôle gouvernement chercher comme si gen main sous gouvernement pour gen ministre pour gen pourcentage dans gouvernement peuple pa prend ça nan main et pour veiller très bien pour ça que t'est passé 6-7 juillet pour peuple pa prendre béton encore. Voilà deux citoyens, Arnold Jasper et Edson Jean-Cyr qui tape par des conseils, yon en tête d'une organisation de société organisée pour développement sous situation politique pays. Gagné Francardi Parco Deralus et tout lui-même lui parler de centre financier que gouvernement ta gayé et sous île de la Gonave et il fait connaître pouvoir en place là à prendre des décisions une façon pour capable piller richesse et île de la Gonave pendant le profiter critiquer mauvais conditions la vie moun kap viv dans île n'a attendu un ultimatum nous vinn lancer avec président pays qui c'est Jovenel Moïse ensemble avec tout le monde qui fait partie gouvernement parce que nous-mêmes en tant que gonaviens nous capable dire nous c'est monde qui méprisé dans pays d'Haïti nous c'est monde qui subit plus misère
plus de dollars dans le pays d'Haïti. Chaque gouvernement qui vient, qui passe dans le pays, n'a pas jamais réglé rien pour la Gonave. Dans le moment que Payo toujours vient derrière, vient par nous d'assaut, vient par nous mentir, dit a fait ceci, a fait cela. Actuellement, quand on a parlé là, Jovenel Moïse trouve ça tellement belle, il va voir qui ça pourrait créer derrière, un centre financier. Côté qui président Martel était pour initiative ça, nous-mêmes nous avons commencé à camper, nous avons dit non, nous ne pouvons pas prendre ça dans le président Martel était venu retarder sur lui. Eh bien, actuellement, quand on a parlé aujourd'hui, centre financier ça, il retourne encore. Côté qui déjà a une disposition qui déjà prend en BRH, côté pour protéger, pour faire décaissement, pour aller prendre, pour aller implanter centre financier ça, Lagonave. Côté qui Lagonave qui représente la communauté vierge, qui a un pile monde, un pile mine, un pile pétrole, eh bien, gouvernement va voir qui ça pour lui faire, c'est à exploiter pétrole ça, c'est à exploiter mine ça, pour aller pire, pour capable mettre monde Lagonave dans plus misère qui dans ça. L'autre jour, côté on a regardé, dans la période PAC qui se passe, il y a plusieurs députés qui ont distribué la plaque, qui ont distribué des matériels, moun Lagonave pas bénéficié. Qui passe dans la radio pour nous lancer message ça avec le président PIA, ensemble avec tout sénateur aussi, député Jacques Guerrier, député Michael Mpierre, qui n'a pas le maïsien, pour capable font faisceau avec plusieurs autres députés nous connaît qui très compétents, qui très conséquents dans, pour capable aider député Jacques Guerrier, Michael Mba au soutien par eux, dans tout ça au capable, et même pour que Jovenel Moïse, ensemble avec le gouvernement, capable de reculer les centres financiers ça, qui ont été importés dans l'île Lagonave. Alors, ce centre, vous voulez mettre. Bon, ça, il y a tout débat ça, qui était fait sous premier et gouvernement, tête Kalea. Donc, c'est Fancardi Parco de Ralus qui t'a parlé comme ça. Il y a Clotilde Numa qui est venu à Dua, lui-même, son problème à faire voisinage, son affaire caille, affaire terre. Et Naptadel, sous dossier ça. C'est une actualité chaque jour et peuple haïtien qui soit affaire caille, affaire terre. Mounyo vini le 10 mai et yo mené un bon nèg bon 2h après-midi et ba yem frappé les mal gardé moi je nou pon nèg c'est pas si me te fait que pour me tap tout tomber nèg j'ai bouché en noir toute qualité uniforme et puis moi au moins 13 nèg en civil masque birin toute qualité bagay vin craser kay moi vidate lè yo di yo konsa moi gen un mandat paquet nan même nan demain m'ap descend paquet puisque autant de paquet la dan yo di yo aller y a retourner sous nom mairie Pétionville yo aller vraiment ni a même l'aime descend pas que dame n'en pas descend li prend bandi ka fou fait li la gè kout massi nan kala kout massa vidan kala de soigner galerie a crasé à internet c'est deux feuilles ployoud moi barré pour me ka dormi en dan yo te menacé déjà yo te mené bandi nou te kay moi yo tire 6 cartouches dans la kay moi déjà ça veut dire mandat me devoyer m'pa devoyer mandat pour ka écraser me devoyer mandat pour menace de mort moi 3 mandat pour menace de mort moi même besoin justice à préparation parce que kounya le mené pour vin sa cinéma grand petit nan kay la pou ka pran kay la di pa gen ni terre ni kay parce que c'est marché prend affaire moun mwen pa ka vivre nuit tout jour n'importe hier quand pou yèm sorti lèm vini men yo meton bon kit bagay ka pou non glo mauvais nan pa porte mwen m pa ka di chom pa ka di prêt deux sel la gen comme Monique Dolce et puis Agonome et Ronel et puis Rogers. Oui voilà, donc son dossier c'était passé déjà qui retournait c'est madame Clotilde Numa. Et puis, gagnant Marie-Carmel Majorie Saint-Joie, qui c'est un ancien professeur. Lui-même, c'est question ouverture l'école là, qui préoccupait. Lui demandait pour ta reculer ouverture l'école là, pour ta fête plutôt au mois octobre, à cause de crise économique pays a traversé. Il dit parents et tout, yo pourquoi capable bon, de parler de tout aspect, ça que y a vivre quoi là. On attendait Marie-Carmel Majorie Saint-Joie. Et qui dit que n'est pas possible pour mon nouveau petit à l'école en septembre. Il y a des gens qui frustrés surtout des parents que me côtoyer et cela à tous les niveaux dans toute classe qui a plein qui souhaitait que l'école là ta ouvri à partir de mois d'octobre et cela plénitude ça me des années depuis que m'attendais yo et moi même au niveau expérience en tant que professeur au niveau expérience en tant que parent en tant que mère l'aime faire évaluation bien moi ouais que gagner fort possibilité pour l'état penser à parents yo pour yo quitter l'école là ouvri à partir de mois d'octobre et pour ti moun yo tout pour yo prendre suffisamment de repos au niveau mental et corporel surtout au niveau économique crise économique que pays a enduré là faut nous wè que mes amis yo pas besoin faire manifestation craser briser 10,000 moun pas besoin prendre corps pour yo deal mettez nous en place tout peuple haïtien mettez nous en place tout parent que parent capable que parent pas capable penser avec Haïti penser à ti moun yo penser à tête nous penser à élève yo qui pas vraiment
vraiment gon temps pour yo reposer. Yo d'ailleurs pas même passer yon vacances vraiment, vrai son vacances de stress. Si moun nan pa getan reposer l'esprit li, li pa getan reposer corps li, li pa même jwenn yon côté pour li amuser li. Éducation important, c'est vrai, mais que si tête nan pa reposer, si corps nan pa reposer, si que pa gen moyen économique qui pour encadrer yo, pour permettre parents yo payer l'école à tant côté que la majorité des directeurs sont exigeants au niveau des montants et au niveau des retardations de paiement. Voilà, c'est madame Marie-Carmel Marjorie Saint-Jean, ancien professeur sur affaire ouverture l'école. En parlant de l'école, ils ont communiqué ministère éducation nationale qui a parlé de l'autre l'école ministère après bâti, il dit dans cadre engagement l'état haïtien prend et pour permettre gain plus de monde qui capable entrer dans l'école, il parle d'un système éducatif de qualité. Et action ça et gouvernement entreprendre à travers ministère éducation nationale et formation professionnelle pour capable renforcer valeur l'école qui construit et bien initiative ça yo entrer dans route d'après ça yo dit n'a cité vision président Jovenel Moïse avec feuille de route là, et gouvernement dans question éducation qui te prévoit construction 15 000 salles de classe dans tout pays. Et comme ça, en plus d'un cinquantaine construction ou bien réhabilitation, et que vous financez à partir de COP qui se tient dans le trésor public, à travers le programme de scolarisation universelle, il y a l'autre projet construction, l'école, qui a étudié pour commencer, et à 30 nouveaux chantiers dans diverses régions du pays. Et d'autres, il faut quoi ajouter tout, et aide plusieurs partenaires internationaux, bah, dans ce sens-là. Particulièrement BID, Banque Interaméricaine américain développement, à coopération japonaise. Et côté que, j'ai fort dit l'État ici a fait pour augmenter valeur l'école là, et pour qu'arriver à un objectif ça, voire année 2030, dans le domaine éducation. Dans perspective ça, et selon un accord qui était signé, il y a environ 3 ans, entre gouvernement haïtien et gouvernement japonais, pour construire 12 écoles fondamentales, il y a un contrat qui signé, je quitte 19 juillet 2018 là, entre ministère éducation nationale la compagnie japonaise relé Tokura Corporation et qui et deux directeurs étaient directeur général ministère éducation nationale là docteur Meignol Jeune et directeur général division internationale compagnie japonaise Tokura Corporation qui c'est Makihara et Takatomo et l'école ça yo il y a construit dans le département de la Tibonite là a gain 2 et dans le département et plateau central a gain 10 et grâce à financement Japon 20 millions de dollars américains que la baille et pour appuyer gain infrastructure l'école dans pays donc l'école ça yo il y a construit qui bord crête brûlée dans grand boucan section communale Mienbalet dans Cabral section communale Tomonde la Selle section communale Sodo. Il y a trois autres écoles qui ont bâti dans Wanaria et section communale Inche. Il y a l'école dans Marmont, section communale Inche. Deux autres dans Aguaye Dionde, dans la quatrième section communale dans Inche. Et deux autres dans Desam, quatrième section communale Verrette, toujours dans le département de la Tibonite. Et il y a fait connaître signature à ça, contre ça. Et côté que directeur génie scolaire ministère éducation nationale là ingénieur Ernst Bonfield est présent lui fait connaître que plan qui gagne pour qu'a construit l'école ça yo et répondre à un norme parasismique qui donc tremblement de terre pas ta supposé écraser yo et norme paracyclonique cyclone pas ta doué déranger et yo t'est validé et génie scolaire ministère t'est validé ou pas et ministère travaux publics yon l'autre pas. Chantier yo ta supposé commencer avant ouverture l'école année académique année ça 2018-2019 selon un communiqué ministère éducation nationale et formation professionnelle. N'a pas recevoir quoi elle là invité nous historien Pierre Buteau qui c'est président et tout institution et qui a défendre patrimoine pays ya. Et dans la question histoire, géographie et ak géologie, et sous 103e anniversaire débarquement de l'armée américaine avec l'occupation américaine qui était commencé 28 juillet 1915 pour finir 1934, la prépondre question Beethoven François-Fils.
circonstance, c'est ça qu'elle est très pédagogiquement. Toute conjoncture qui développait entre 1910 jusqu'à 1915, 28 juillet 1915, date fatidique ça, qui poêle et occasion pour Américains intervenus sous sol d'Haïti. Donc c'est toute situation ça qui développé depuis chute Tonton Nord avec avènement qui pourrait favoriser avènement et Antoine Simon jusqu'à lynchage tragique Villebois-Guillaume-Sam la veille occupation, hein. Tout ça entré dans le drame qui pourrait le bord circonstance occupation avec une série d'événements qui a précipité et qui indiquait que système politique, régime politique là surtout, Haïti a pas qu'à Kembe encore. Et régime politique là pourrait l'entrer dans une phase aiguë. C'est parce que à partir de 1910, gouvernement haïtien et surtout Antoine Simon entré dans une politique de modernisation qui est tout à fait et à risque et qui pourrait permettre justement un déséquilibre d'une rivée ou bien un rapport de force entre puissances rivales, allemands, français d'un côté et américains, et qui pourrait l'aggraver, circonstance toujours, par une seconde guerre mondiale que puissance et allemande, belligérante, la France et l'Allemagne entrées qui pourraient favoriser justement position de force, entrer en force et États-Unis dans l'espace politique haïtien que depuis longtemps, depuis peut-être Souvelet et Florville Hippolyte et depuis Mission Amiral Géradia que l'État essayait entrer pour contrôler. Et alors, à côté de ces circonstances-là, il y a une rivalité entre les grandes puissances qui pourrait accentuer, aggraver, alimenter déstabilisation et secousse régime politique haïtien. Régime qui, pas qu'à Kembe encore, n'a parlé de régime 19e siècle-là, régime militaro-politique-là, qui, pas qu'à reproduire cette vie et qui pourrait joindre un dénouement tragique et qui pourrait aggraver autrement destin pays ça, peuple ça, par l'occupation américaine. Maintenant, la cause essentielle, c'est que c'est surtout et ligne géostratégique et américain lié à ça au capable l'impérialisme américain, ouverture de nouveaux marchés avec beaucoup de garanties pour les secteurs des affaires qui ont placé capitaux dans toute région, Caraïbes, là, Centre-Amérique et même Amérique du Sud. Et ils ont jugé que dans ces pays, parce que les Américains ont une conviction dans cette vie, et pour lui, c'est cette conviction, c'est la raison d'État. Et à partir de ce moment, globalement pour région, le Falgon est géostratégique, contrôler tout appareil administratif, appareil étatique, et surtout, sans accueillir la douane, côté OSCEP, et qui ont déterminé, surtout, il a garanti ça, donc à partir de ce moment, c'était l'occasion pour te rentrer. Et c'est quand ça a commencé de manière systématique avec Tonton Nord et politique modernisation hein, qui pourrait ouvrir banque nationale que Salomon a créée, qui pourrait ouvrir by action américaine, qui pourrait contrôler banque à 40% et action et qui pourrait provoquer sur ta carrière contrôle l'État. Parce que le monde qui contrôle les banques contrôler et trésor public haïtien et contrôler opération budgétaire, et si bien que c'est ça qui pourrait aggraver déstabilisation en 1910, surtout après la mort de Cincinnatus Lecomte, jusqu'à les charges tragiques. Il y a des événements dramatiques, effectivement, mais nous, ouais, débarquement en Méruine sur 28 juillet 1915, comportement élite dans le pays à ce moment-là. L'élite a été très diversifiée. D'abord, il y a une élite militaire, élite militaro-politique, et puis tu as une élite et sont à cabriller entre guillemets bourgeoisie traditionnelle là, qui pas même bourgeoisie à Jodia, parce que c'est ton bourgeoisie qui a un contact direct avec les provinces, même si il pas de exploitation agricole, mais il a contrôlé le circuit des marchandises, des denrées agricoles, surtout café, coton et boîte teinture, etc., qui permettent de contrôler à travers une structure agro-commerciale import-export et surtout contrôler et le circuit des denrées d'exportation. Alors, ça, bourgeoisie, ça
en pile nan yo te divisé, mais 3-4 nan yo te pin wè, tout comme premier président occupation an, et Sud d'Antignav, pou al di, l'opinion publique haïtienne a besoin de paix. Mais l'opinion publique est assez diversifiée dans tout pays, pour comprendre, et chaque secteur a son opinion publique. À partir de ce moment, il y a des secteurs comme Moravia qui dit nous avons besoin d'occupation et Sud d'Antignav qui est pensé, c'est parce que il vient proposer tête comme candidat et par rapport à Rosalvo Bobo qui a pratiqué un nationalisme, il vient voir que en principe c'est lui-même qui pour user Rosalvo Bobo en tant qu'élite politique et contre et pour sa vie et sous l'occupation et qui a décidé lui-même c'est une voie et autonome. Pour te dire, voilà encore, et la presse là, tout est très, très, très et diversifié. Il y a un pile membre de la presse qui te dit non à l'occupation. Et Daniel Eli Guérin, ou et intellectuel Georges Sylvain, qui doit rassembler un groupe d'intellectuels vers Cheval Tobi, et on voit bien la presse qui doit bien un pile membre tout en comme ce titre, qui doit dire non à l'occupation. Et puis attention, la mer qui vient totalement effondrée, mais reste la mer et puis il y a des généraux dans la mer, c'est eux qui pourront organiser le premier mouvement Kako, le premier jour d'occupation 1915 jusqu'à l'avènement Sud d'Antignav. D'ailleurs, il y a un groupe de Noir Rameau qui pourra demander aux Américains et qui pourra faire appel à injection et puis considérer Sud d'Antignav comme traître. Et puis par la suite, au Paldon, l'autre mouvement Paco va paraître en 1918, conduit par Charles-Marie Peralte et Benoît Batraville et tant d'autres chefs obscurs, qui pourraient le finir en 1920 et plus concrètement en 1921, quand Américains, en recourant à un armement sophistiqué, vont nettoyer tout foyer Kakoyo. Et à partir de ce moment, on va l'entendre. C'est fin, réaction militaire qui débat américain. En pile problème, et qui était surtout contrarié projet et projet en Haïti. Nous regardons l'évolution des relations entre Haïtiens et Américains, mais tout le monde, ouais, la société haïtienne d'histoire est présentée une revue qui parlait de l'occupation américaine. Et rapidement, après, nous avons fait un coup de jet pour moi, pour nous être capables de parler de quelques points dans la revue. Ah oui, son dossier nous est tenu pour nous faire, parce que, pas oublier, ancien président de la société haïtienne d'histoire, là, l'historien Michel Hector, est possédé à lancement un programme de remémoration du centenaire de l'occupation. Et la société a été venue retrouver avec une équipe monde et plusieurs groupes, et puis qui étaient formés au comité national du centenaire de l'occupation. Et nous avons plusieurs programmes, dont d'abord pèlerinage, que nous avons chance fait sous 28 juillet 1915 là, et là ça avons Suzy Castor qui est venu joindre nous, avons Georges Michel, et puis de regretter mémoire, Carrie Hector qui était accompagné nous en tant que membre Société haïtienne d'histoire qui était accompagné nous partout. Nous avons une bonne délégation qui était à tout côté, premier côté américain qui était débarqué dans Port-au-Prince pour te contrôler, par exemple, base amiral qui dit que là, nous t'es allé, nous t'es déposé, j'aime de fleurs. Mais t'es un programme qui était bien clair, c'est fait pèlerinage partout, ce que nous fait, et t'es un pile l'autre groupe qui a été nous fait ça. Voilà, c'est Pierrot Buteau, historien et président Société haïtienne d'histoire, géographie et géologie, sous 103e anniversaire. Et débarquement américain, c'est le premier débarquement en 1915, 28 juillet 1915, occupation qui t'a prêt à finir en 1934, et qui t'a prêt à répondre à la question Beethoven, François Fils. Le dernier 28 juillet, demain c'est 29 juillet, sont leurs dates importantes toujours dans l'histoire, nous, c'est date ça, Duvalier, t'es créé, force, il t'a prêt à régler Tonton Macout, qui t'a prêt à permettre de contrebalancer la mer et Kembe pouvoir pendant 29 ans pour lui-même, famine et partisan. Et côté que gouvernement ça te bail deux présidents à vie li même ak petit li Jean-Claude Duvalier. N'a pas retourné encore dans actualité a Jean que n'te di ou li nan titre yon accord entre gouvernement américain
ak yon militant dans état Texas sur affaire militant qui en faveur pour moun pote zam et pour moun vann programme fabriquer zam la caillou à partir de système 3DA et en tout ça il y vè fait je dis c'est la fin yon bataille judiciaire te men longueur et Cody Wilson qui fondateur groupe yorele Defense Distributed et gagné devant gouvernement américain yon association qui sous internet qui fabrique zam qui vin gen gagne et nan cause d'ap défendre devant gouvernement américain c'est dans l'année 2013 département d'état te interdit monsieur pour te mettre à disposition simple citoyen au particulier yo un fichier qui te ka permettre yo imprimer la caillou pistolet yo à partir de 3D et yon décision et que lui-même il était dit qu'il département à deuxième amendement constitution américaine nan, sous droit que tout américain gagne pour porter zam et s'entendait à monsieur Terry la justice contre gouvernement américain 29 juin qui se passé là département d'état qui contrôle les questions exportation zam États-Unis c'est le premier exportateur zam et dans le monde et finalement il arrivé un nouveau accord avec association Cody Wilson nan. Et texte nan, autoriser monsieur tout le monde qui vit aux États-Unis d'ailleurs le doit avoir accès discuter servir reproduire bien bénéficier d'informations techniques pour capable faire zamio imaginez et donc c'est ça site ça c'est travail li et département d'état est bloqué et bien décision de la justice il débloqué et à quoi prévoir que monsieur Wilson qui en faveur pour gagner zam dans tout koyo a recevoir plus de ça $40,000 comme dédommagement intérêt le fait que l'état américain était bloqué et donc et moi passé à et à quoi ça te joindre mais yo dit que département d'état pas fait bruit à Kakoa et groupe militant pour renforcement règlement et pour réglementer les affaires zam dans pays États-Unis qui tombait sur Kakoa et ben yo mettait le dehors yo exiger pour département d'état faire tout monde connaît désormais et bien tout monde qui compte à faire zam qui a fait ravage dans pays États-Unis c'est deux mais maintenant tête et des pour monde gagner imprimante 3D la caillou et pour qui ca coûte un petit coup quand même $2,000 mais gagne monde qui a fait sacrifice là yo capable fabriquer zam yo à domicile donc quoi elle est là américain capable imprimer toute zam yo vle avec imprimante 3D a et donc yon moun ki t'a réagi di dit que vraiment pays ça les États-Unis il pas suspendre tonem et ça le dit il dit que incroyable mais c'est la vérité pourquoi il est là pas gen aucune explication ni justification qui bail concernant à quoi mais démocratie c'est demain yo mettez en tête devant à quoi ça gouvernement républicain Donald Trump le joine avec militant pro AMSA imaginez désastre ça va le provoquer. Machin k'ap vann nan marché canapé vert, nou ta mande opinion sou situation peyi yo. Problème c'est élite économique à classe politique haïtienne qui responsable la vie chère, grand goût chômage et qui a dépa fini ak peuple k'ap vive nan crasse. Kèk nan machin sa yo k'ap dégagé yo mais qui frustré en pile. Qui te parlé avec nous journée jeudi a souhaité un gros mouvement social et politique qui fait dans pays hein, pour chavirer fonctionnement système politique et économique ça qui en faveur et yon petit groupe moun dans domaine politique et économique qui enrichit tête yo sous dos l'état pendant que pi fort peuple lui-même la guerre deux bras balancés et on l'autre catégorie machin quoi c'est bon Dieu et qui pour faire un miracle pour sauver pays hein. Et au fait qu'on est majorité population pas gain pouvoir pour acheter ça les pouvoir d'achat ça qui la cause en pile fois yo entrer la caillou 150 yo pas vendre non seulement pas gain la vente et puis tout prix produit que tout pour besoin pour vivre là pour augmenter chaque jour sans que l'état pas dire rien n'attendre quelque temps yo dans micro Emmanuel Tolembrina
Les jours en jour, la vie chère a monté pire, bagaille au terrible. Pas gagne activité dit tout, pour le roi pas acheter cher, pour ta joindre. Même le bagaille la chère, monte gagne mon, mon bagaille dit tout. Mon qui déjà gagne l'argent plus, c'est yo enrichi plus. Mais pauvre la réalité a tenet. Tout machin, je sais, mon j'ai pas gagne la vente. Pas gagne la vente, c'est qui est-ce qui a venu là, bourgeois pas venu acheter là, c'est pauvre Malérie qui va venir acheter là. Mais qui est pauvre Malérie, pas gagne quoi pour lui venir. Quand il veut voir, moi, on vient, tant de temps comme tout bagaille ça, mon j'ai couvert, parce que pas gagne qui va acheter. Monde, mais pas gagne comme. Mais qui ça pour gagne comme? Faut gagne développement. Si pas gagne développement, pas gagne comme. Et c'est la bourgeoisie, secteur privé qui mette nous dans sa nouille là. C'est nous pour nous mettre attention, pour nous comprendre facile. Nous avons un petit ça dire, mais si ça nous gagne. Vous entendez? Nous pas acheter. Donc tout le bagage à monter tête nègre, ou tenir nous président, c'est si président c'est là. C'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous descendre, si ça dire, il y a 200 combien de dollars? 200 dollars, faut sortir sous ça dire. Combien ça que je veux avant là? Vous entendez 280, puis au bout, vous n'avez pas qu'à charger, et puis vous pouvez vous prédire, vous n'avez pas qu'à manger pour vous faire, et t'as dit que 5 centimes payés, ça vous fait avec, côté 10 centimes payés, ça vous fait avec, côté 20 centimes payés, côté 50 centimes payés, côté 50 centimes payés, côté 50 centimes payés, à l'équipe, vous sortez pour disparaître, là, j'ai haïtien net, haïtien même mettez tête des communautés internationales, Nations Unies, et ces Nations Unies, même avec Français, la bourgeoisie, secteur privé, c'est eux-mêmes qui dirigent le pays d'Haïti, c'est nous pour mettre tête ensemble, pour nous rapper bâton magique, là, non, mais pour nous casser réo avec lui, si possibilité, pour nous plonger tête en bas dans la vie, vous comprenez, pour payer à libérer. Il n'y a pas rien. Révolution, mon cher. Si pour bagarre le pirate qui est 1804, quel pirate? Si pour pirate qui est 1886, quel pirate? Si pour pirate qui est 12 janvier 2010, quel pirate? Quand on a pour la libération, il y a fort qu'il fait. Pays à bagarre, mon cap géré, tout le monde fait ça, vous voulez. Vous montez pour Dieu, vous voulez faire affaire aux gens, vous voulez. Nous quittez, vous voulez être ici, vous voulez nous si mal les réseaux, vous voulez acheter. Tout le monde se sent bien conseil, vous voulez bien régler pour nous. Soit vous voulez faire pour nous en tant que journaliste ou même. Et ce jovenel là, il a perdu matériel pas dans point ça non. Ce jovenel mange monter dans tout état ça ouais, qui fait manger à vin du monde pas qu'à manger, pas qu'à boire comme ça. C'est ce jovenel là, il est comme ça oui. Ce matériel pas gagne. Imagine aujourd'hui samedi, nous pas qu'à vendre parce que la vie est tellement vin cher. Et puis nous pas qu'à acheter, pas garder quoi. En question de $100 pour 1400 dollars ici, $100 américain. Les pour acheter 20 sacs d'euro, pas capable. Pour acheter 20 sacs maïs, pas capable. Monte chaque jour plus. Chaque jour, tout bagage, ils avaient dit, les gens dans l'hôtel, l'eau patate, là, ils ont 100 gouttes. L'eau banane, 100 gouttes. Malanga, 100 gouttes. Et c'était 3 graines, 4 graines. Là, il n'y a pas bon comme ça. Il faut nous relancer contre la vie chère pour dire un mot pour nous. Parce que le peuple, là, il mourit. Pour tu m'as mis quoi, 22 dollars. Tu m'as mis 10, 28 dollars. Mais c'est autre dollars. C'est dollars comme ça. Voilà, machin, machin, canapé vert, qui t'a parlé comme ça, machin, garçon, t'as coup femme. Bon, d'ailleurs, dit machin, qu'on a un garçon là-dedans, hein. C'est une évolution sociologique, qui t'a parlé comme ça dans le micro, Emmanuel Tolembrina, opinion sur situation politique pays. Dans le pays États-Unis, gros du feu qui a ravagé Nord-Californie, yon du feu terrible, et depuis presque une semaine, il y a deux pompiers qui perdent la vie, il y a 18 000 carotaires qui boulaient net rapide, et puis il y a 500 cailles qui boulaient. Et son véritable brasier et qui rapide et avancé et qui très actif et flamme du feu ça, rive jambé yon rivière et envahit partie l'ouest dans ville où il est Redding nan, côté que presque 40 000 moun autorité obligé évacuer dans zone ça. On retourne à la Caïpanon pour nous parler de RENACOP qui s'est parti résistance nationale contre pauvreté. Je nous promettre tellement nous recevoir notre, nous pas de cabaye tout pour nous en même temps, mais nous faire preuve de bonne foi tout pour nous capable ça. Au fur et à mesure, nous faire opinion mon passé. Ça veut dire que tout le temps nous sommes capables de faire ça. Mais comme nous avons une situation spéciale, une crise, citoyens exprimés, bon, il y a des organisations qui ont plus de légitimité que l'autre. Il y a des organisations que nous connaissons depuis longtemps, il y a l'autre qui apparaît, quoi. Jojo, dans la période là, mais bon, nous avons une situation, côté nous avons parlé. Nous avons dit ça déjà, si 12 millions, nous tous nous voulons parler, bon, pas un problème, mais nous ne pouvons pas passer en même temps. Nous avons souffert. RENACOP qui fixe positionné et salue tout peuple haïtien pour courage et détermination, il sermenté 77 fois 7 fois pour ne pas jamais accepter dictature bougeant en parlant de peuple haïtien dans pays et puis affronter jouk dans bout tout apprenti dictateur qui t'a voulu faire revivre passer encore.
li parle de événement qui a commencé dans le pays vendredi 6 juillet, côté président parle et peuple en répond ni, dans un feuilleton qui mal monté pour tenter sauver acteur a, un bandit d'après ça le dit sacrifié. N'a pli note là. Yon ancien premier ministre Desson dans chambre député a sans respect pour moun sa yo et qui dit yo c'est élu peuple là parce que elle te payé yo et pour séance là n'a pas parlé toujours et puis dans coup de théâtre là li prononce discours adieu li et pendant le déclarer il était déjà présenté démission by président république là redacop a posé question à qui titre mouché ça te monté sous tribune parlement et puis qui ça la loi prévoit pour des autres ça yo qui a fin craser image ak honneur pouvoir institution nou yo vendredi 6 juillet peuple en parler président tendez un gouvernement calé tête tombé pour bail possibilité à qu'un autre petit groupe zami frustré pour venir prendre petit parti paywa même cause pral produit même effet alors c'est dans même condition hein et puis li pral bail même résultat et comme ça dans prochain convocation président ak même petit parole li a ak peuple là Renacop a demandé parlement pour bien étudier le son et pour ka bien passer examen peuple et parce que et pas t'ab gagner yon exécutif piage si pas gagner parlement compte peut-être ça Renacop a bail chambre député a devoir ça qui ka permettre li conserver yon ti crasse confiance ak tolérance devant jè population et chambre gagner yon devoir c'est mettre président Jovenel Moïse en accusation pour violation sa yo contre maman loi pays a ak tout l'autre loi république la. Peut-être li révoquer yon directeur général sénateur yo ratifié pour un mandat et déterminé 3 l'année et peut-être li craser présidence nan ak autorité l'état là yo forcer le nomé dans la justice 50 juges corrompus peut-être li passer la justice en bas pied l'elle bloqué yon dossier blanchiment l'argent et qui déjà dans cabinet d'instruction et puis déclarer tout en là dossier ça pas passer peut-être l'a dépenser en pile l'argent nan cause caravane et sans nation pas connait côté cob ça yo sorti alors que li pas figuré dans budget république là et tout pour connait président pas comptable denier public si nous bien faire devoir n'a pas la parlementaire yo monsieur dame parlementaire yo peuple va comprendre pi bien dans qui position n'a pied dans prochaine fois président a gagner pour parler ak peuple ak mode réponse peuple va gagner pour bali encore ak donc là l'a pour parler peuple et puis ak mode réponse peuple va gagner pour bali encore c'est Jean-René Thomas président Jean-Joseph Mété lui secrétaire dans organisation ak Chanel lui porte-parole organisation ça Renacop qui c'est parti résistance nationale contre la pauvreté qui prend position ça et puis il y a un rassemblement des révoltés qui dit nous-mêmes dans rassemblement révolté donc saluer bien entendu la presse et puis tout le monde et peuple haïtien qui trouve le nom misère matériel moral spirituel depuis Dick Danton l'aime considéré depuis après assassinat et l'emploi Jean-Jacques Dessalines dans l'année 1806 rivé journée jodia ça fait plus passer 210 l'année côté yon ti point monde de génération en génération accaparer toute richesse pays a ça vinn la cause monde qui pauvre continue vinn plus pauvre et puis ti point monde qui riche vinn 10 fois plus riche yo pas mettre bon l'école ak bon l'hôpital pour peuple là yo craser agriculture pays a dans l'idée pour faire plus l'argent dans importer toute qualité produit et qui baye peuple là ak yon série de maladies pays a pas de jambe connait en vent et c'est yo tout qui gagne tout privilège en dans pays a c'est yo qui contrôler l'état qui contrôler la douane et la trier pendant certains c'est dans pays colon yo il y a l'école l'hôpital même l'eau pour yo bien sorti dehors pays a yo pa gen rien qui m'a connait l'ombric yo ak pays ça sauf faire l'argent dans toute vie condition et sous do peuple là et pour yo al serrer dans pays étranger acheter caille dans pays étranger tandis que même la manjaille c'est luxe lié pour peuple là
allez voir pour peuple ça ta joindre bon gens l'éducation, la santé et la trier. Toujours organisation qui a parlé rassemblement des révoltés. C'est toute l'injustice ça yo ak la misère ça yo qui pousse peuple à révolter une autre fois en plus dans date 6 juillet 2018 là pour le mettre barricade, mettre du feu et faire des choucailles non seulement pour faire tant des voiles mais tout pour demander changer système ça qui montait depuis 10 d'antan pour détruire peuple. Rassemblement révolté mandé au président Jovenel Moïse poser une action pressée côté moucher l'histoire qu'arrivé bon raison un jour nan causer pays ça. Rassemblement révolté mandé au président redémarrer pays ya, système ça calé trop pauvreté, trop misère, li encourager chômage, prostitution, corruption, l'inégalité, exploitation et la trier. Rassemblement révolté fort proposition 4 piliers ça yo. Mettez toute élite pays à chita sans condition intellectuelle, politique, monde qui dans économie et la trier. Remettez peuple dans travail, c'est responsabilité élite yo ak l'état. Lancer un gros mouvement réconciliation nationale. Refonder l'état nation nan imposer une langue officielle dans toute administration l'état, mettre service dans tout un pays, créer une école gratis et obligatoire, un symbole qui cimentait tout haïtien drapeau campé. Et puis pour finir, c'est seul moyen qui ca empêcher peuple dresser barricade encore, mettre du feu faire des choucages, l'air l'injustice ak la misère vle couper souffle. C'est Ernso Eristal, vice-président Rassemblement des Révoltés, qui prend position ça. Et puis, il y a un employé contractuel, centre d'accueil Kafouyo, qui fait connaître, il est informé de situation catastrophique. Il a enduré côté l'État, précisément le ministre des Affaires sociales, là, pas jamais prend en quelle disposition pour payer employé ça. Il y a qui gagne 12 mois. Sous exercice fiscal 2016-2017, la gagne qui gagne 10 mois, exercice fiscal 2017-2018, là, même boni, yon pou kon jwenn. Dans sens ça, employé contractuel, ça, yon mande président, ak ministre Stéphanie Auguste, pour fon jè fort pressé, pour payer yo. Et si yon pa paye yo, yon di ap kampe travail, donc c'est employé contractuel, centre d'accueil Kafou, qui signe notre ça. Gen yon lot accident ki fèt ankò malheureusement nan commune Akaye. Gen magistrat Akaye ki a ban nou plus detay sou denye accident sa. Effectivement, en bas 4h30 là, il y a une série d'accidents qui visaient sur route Akaya du côté de Williamson. Et c'est encore toujours à Williamson. Les gens d'accident ça a visé. C'est dans la zone d'Omawot. Il y a un bus sorti dans la journée. Et puis qui a croisé avec une autre machine qui sortit le marché Akaya. Et nous sommes capables de dire pour l'instant, c'est un embouteillage qui est sur route nationale, là, spécialement à Williamson. On peut le monde mourir. Et selon l'image que nous avons là, c'est presque une dizaine de monde là. Il y a des gens qui ont arraché et il y a des gens qui collent dans la machine. Et c'est pour ça que ça a passé après nous. La police est sur place, le juge est sur place, il a fait comme ça. En attendant, on a demandé à quelqu'un qui vient par là, qui sortit. Soit qui a le marché, qui a la journée pour qu'on contacte parce que c'est vraiment grave encore, ça qui est sur même route nationale numéro 1, spécialement à la carrière dans la zone de Williamson. Magistrat Rosevilla, qui disposition mairie a compté prendre pour Jean de Bagasayo pour continuer à arriver? Alors, semaine dernière, dans la même zone ça encore, dans la même zone de Maotta, Williamson, nous avons un accident qui était déjà fait. Ça a provoqué 2 mois depuis ça arrivé. C'est peut-être 1 mois qu'il y a depuis l'accident ça a privé. Nous avons essayé de contacter en sécurité publique, nous avons contacté en ministère de l'Environnement, ministère de Tourisme, pour nous voir si ça nous a obligé à faire, ministère de Travaux publics, pour nous voir si ça nous a obligé à faire pendant vacances, au moins pour diminuer notre accident. La circulation aussi, je travaille pas libre. La façon dont nous avons conduit dans des sports que tu as obligé de mettre sous place semaine ça pour exhorter les gens, pour sensibiliser les gens à conduire, pour comprendre comment ils conduisent. Et les gens qui parlent dans la journée, ils ont pris plus de précautions, les gens qui conduisent, ils ne sont pas brefs. Surtout dans un vendredi, samedi, dimanche, sur les routes nationales, là, il est très dangereux. Nous-mêmes, on est là avec protection civile, avec la Croix-Rouge haïtienne, nous avons fait tout ça, nous capables, avec la police municipale, mairie. Nous avons fait tout ce que nous sommes capables pour nous, ensemble avec la police,
si nous mettons nous ensemble pour nous na calme moun yo nan quantité vitesse ça pour sur route là mais l'état central pour nous besoin toute main li et nous besoin sensibilisation par mon côté moun yo ça fréquenter côte des acadiens pendant moment pas enfant parce que c'est trop dangereux pour quantité moun ça va pour nous plus qu'on vision moun de m'a pas là voilà à terre là bien quelque racien bon bien ses pieds ouais et circulation est vraiment vraiment bloquée dans zone Williamson actuellement là avec accident arrivé après midi en bon 4h30 Oui, c'est magistrat Akaya, Madame Rose, mais la petit frère et sous dernier accident ça et qui vivait à Akaya. Et puis gon barrage dans en Asie dans Laos qui effondré depuis ce maintenant il y a 1100 monde qui disparaissent et de l'eau à quoi les jambé dans pays Cambodge et Laos côté que monde qui a porté secours toujours à Goumen contre la boue avec inondation dans sud pays ça. Côté barrage ça a effondré plus que 1100 monde et disparaître pour qu'on joigne et côté que c'est désolation totale mais dans mitan désolation miracle un petit bébé qui t'a crié l'hier maman il a passé 4 jours dans petit kounou côté de l'eau barrage là te sené mais yo en vie c'est de situation comme ça et puis nous parlons de élection tout qui a fait dans pays Cambodge et demain élection qui a fait lundi dans le pays Zimbabwe, élection qui était faite dans pays Pakistan côté gain contestation concernant résultat élection et puis élection qui a fait dans pays Mali demain et côté déjà gain soupçon et opposition dénoncer magouille et qui fait en amont pour président qui sous pouvoir arrêté mais tout côté gain gros tension entre communauté yo et surtout côté que un pile et problème dans ça qui concernait islamisme et qui frappait pays ça plusieurs fois déjà et qui menaçait pour y faire des attaques. Cela nous camper rester sur Radio Kiskeya pour ce programme nous et bon finissement semaine na lundi. Merci Mackinson qui te permet nous arriver la caillou. Nous dit tout le monde bonsoir. Olapalais.com